Le décor traditionnel du Nürburgring et son château pour le Blancpain GT World Challenge Europe qui reprend ses droits ce week-end, une semaine avant la finale du Hungaroring à Budapest. Place donc à cette course dans l'Eifel. Mais avant cela, petit retour aux Pays-Bas, à Zandvoort très exactement, où avait lieu la troisième épreuve du championnat, avec en première ligne Christopher Haas et Dries Van Thor au départ de la course 2, et puis derrière eux, Maro Engel sur la Mercedes de l'équipe Black Falcon. Attention, hein, parmi les voitures à suivre, on avait notamment la Mercedes AKSP de Raffaele Marcello et Vincent Abril, la voiture numéro 88, et puis également la Lamborghini numéro 63 du Grasser Racing Team, celle de Mirko Bortolotti et de Christian Engelhardt, deux équipages qui avaient terminé aux deux premières places le samedi. En tête de la course, Christopher Haas creuse l'écart avant les traditionnels pit stop. Très très bon pit stop d'ailleurs pour la numéro 63 du Grasser Racing Team. Christian Engelhardt sort de la voiture, Mirko Bortolotti s'y installe et regardez, quand il repart, il est devant l'Audi numéro 1 d'Ezequiel Pérez Campagne. Il reste toutefois le pit stop de la numéro 25. Simon Gacher repart et il est largement en tête. Il faut regarder tout en haut de l'image pour voir apparaître la Lamborghini du Grasser Racing Team, l'Audi Saint-Éloc, donc en route peut-être vers la victoire. Derrière, on a un beau duel, notamment pour la 6e position, avec Vincent Abril qui tente de résister à Andrea Caldarelli. On sait à quel point il est difficile de doubler sur ce circuit de Zandvoort. L'Italien, pourtant, y met du cœur. Et s'il est difficile de doubler, évidemment, sur le circuit de Zandvoort pour la 6e place, ça l'est aussi pour la 3e position, avec Ezequiel Pérez Campagne qui doit résister jusqu'au bout, Lucas Stolz, ce que l'Argentin d'ailleurs parviendra à faire à la perfection. Devant, Christopher Haas et Simon Gachet s'imposent. Première victoire pour Simon Gachet, le Français, dans cette Blancpain GT Series. C'est dans le Blancpain GT World Challenge Europe. Il s'impose devant Mirko Bortolotti et Christian Engelhardt. Ezequiel Pérez Campagne et Dries Van Thor complète le podium. C'est l'une des nouveautés de la saison 2019. Le Blancpain GT World Challenge se déroule sur trois continents, les États-Unis, l'Europe et l'Asie, avec deux constructeurs impliqués qui nomment chacun quatre pilotes. Tony Villander, Matt Plum, Martin Fuentes, Chris Cagnazzi représentent Ferrari aux États-Unis, Andrea Bertolini, David Perel, Rinat Salikov et Louis McKills font de même en Europe. Et puis on a Rio Arianto, Yaya Sakamoto, André Engartner et David Chipto Biontoro pour Ferrari Asie. Un total de 12 pilotes donc pour représenter le constructeur italien. Mercedes en face voit Colin Brown, Ryan Dahl, David Asken et George Kurtz les représenter aux États-Unis. Raffaele Marcello, Lucas Stolz, Thomas Neubauer et Mauro Ricci sont les pilotes désignés en Europe. En Asie, ils peuvent compter sur Rudolf Bruns, Christina Nielsen, Xu Wei et Jeffrey Lee, de nouveau 12 pilotes. Et on peut vous dire que ce sont les pilotes Mercedes qui, jusqu'à présent, s'en sont le mieux sortis. La marque à l'étoile domine effectivement Ferrari dans ce classement du Blancpain GT World Challenge Europe. Audi a toujours bien marché sur le circuit du Nürburgring. Clairement, on peut viser la victoire et pourquoi pas se relancer au championnat du côté de Dries Van Thor et d'Ezequiel Pérez Campagne. La nouvelle voiture va plutôt bien, elle a gagné quelques courses cette année. C'est toujours un bon signe, évidemment. Cette année, j'ai un nouvel équipier. C'est toujours assez excitant au début, lors des premières courses. On doit apprendre à se connaître, nos points forts, nos points faibles. Maintenant, je pense qu'on se connaît assez bien. Il a prouvé qu'il pouvait aller vite. J'espère que ce sera le cas ici aussi. En tout cas, comme je l'ai dit, on va essayer de gagner ce week-end. Mercedes arrive en tête du championnat avec l'équipe Black Falcon, Lucas Stolz et Maro Engel sur la numéro 4. C'est fantastique de rouler sur le Nürburgring, c'est vraiment un endroit très spécial. L'équipe et moi avons de super souvenirs ici, dont la victoire aux 24 heures de Nürburgring sur la légendaire Nordschleife, mais aussi sur le circuit Grand Prix. Donc vraiment, on a eu de grands succès. L'équipe avait signé la pole position ici en 2018, ce sera l'objectif de nouveau cette année. On sait à quel point le championnat sprint est très serré. Je suis très excité en tout cas de rouler ici devant notre public et j'espère qu'on va pouvoir avoir beaucoup de succès. L'équipe Saint-Éloc reste sur une victoire à Zandvoort avec son Audi R8. La formation française est en progression constante et elle compte dans ses rangs un pilote allemand qui connaît bien le Nürburgring et ses 24 heures, notamment aussi un vainqueur, c'est Christopher Haas.
Pour l'instant, je n'ai encore jamais gagné sur le Nürburgring en Blancpain GT Series. Mais j'ai gagné la dernière course à Zandvoort. Je pense que le moment est venu de gagner ici. Nous avons une fantastique voiture avec cette Audi Saint-Elo qui fonctionne très très bien. On a une bonne voiture, alors on doit juste le faire. Une seule victoire pour Lamborghini jusqu'à présent. Par contre, la marque italienne détient le plus de podiums en 2019. Clairement, du côté de Lamborghini, on a ses chances du côté du championnat, notamment avec la 63 de Mirko Bortolotti et Christian Engelhardt. Je me réjouis vraiment de rouler sur cette piste. J'ai débuté ici en Blancpain GT Series en 2016. C'était encore un championnat endurance. À l'époque, on avait gagné la course, donc vraiment, ce sont des bons souvenirs. Cette année, le Nürburgring nous a plutôt souri aussi dans un autre championnat, donc je suis impatient. Deux Aston Martin seulement sont engagés par l'équipe R Motorsport, mais si on n'a pas le poids du nombre, on a une motivation au top, et notamment un pilote allemand qui a envie de briller devant son public, Marvin Kirchhoffer. Je pense que nous devrions être performants dans le secteur 2 et 3 car ce sont des portions rapides. Notre voiture a montré un bon potentiel dans ce type de virage et je pense que Ricky et moi, et peut-être encore plus l'équipe, nous méritons un premier podium cette année. On a souvent été très proches. En tout cas, on va vraiment attaquer ce week-end pour goûter au champagne. Mercedes avec l'équipe AKSP a réalisé un très bon début de saison aussi dans ce Blancpain GT World Challenge Europe, surtout en Silver Cup avec plusieurs victoires, dont une au général d'ailleurs pour Nico Bastian et Thomas Neubauer. On écoute l'allemand, Nico Bastian. En tant que pilote, je veux toujours me battre avec les pilotes professionnels et prouver que je peux être là avec eux. Mais bon, notre but principal, c'est de gagner le championnat Silver Cup à la fin de la saison. Peut-être même déjà dès ce week-end, vu qu'on avait une bonne avance. En Am Cup, c'est Ferrari qui mène la danse avec Wolfgang Triller et Florian Scholz. Bien parti pour aller chercher la couronne, on écoute Florian Scholz. Pour moi, piloter une Ferrari la première fois, c'était fantastique. C'est vraiment une voiture qui me donne beaucoup d'émotions et piloter une Ferrari en tant que voiture de course, maintenant, c'est quelque chose de normal. C'est l'une des plus belles voitures, mais on s'y habitue un peu plus. Le soleil brille, la température est plus qu'estivale, 29 degrés en ce samedi après-midi pour la première course du Blancpain GT World Challenge Europe ici sur le circuit du Nürburgring en compagnie de Laurent Mercier, évidemment, notre consultant habituel. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Merci de nous rejoindre. Il fait très chaud en ce samedi sur le circuit du Nürburgring, 29,7 degrés. On n'a pas toujours été habitué à des températures comme ça ici. C'est quelque chose d'assez rare quand même, hein. C'est rare pour être souligné. Et aucun risque de pluie à l'horizon au moment où les concurrents se place sur la grille de départ. Mirko Bortolotti a signé la pole position sur la Lamborghini grâce au Racing Team numéro 63. Il a devancé Lucas Stolz. On a en deuxième ligne Simon Gachet et Kelvin Van der Linde. Troisième ligne pour Mattia Drudi, pilote Audi, nouveau pilote Audi Sport Customer Racing d'ailleurs. Et Marco Mappelli, le pilote officiel Lamborghini. Charles Weirs, le Belge, et Nico Bastian, l'Allemand, avec une Audi et une Mercedes, occupe la quatrième ligne. Fabian Schiller, encore un Allemand, est en neuvième position devant l'Argentin Ezequiel Pérez-Campagne sur l'Audi numéro 1. Stéphane Ortelli et Ricky Collard, c'est la sixième ligne de la grille de départ. Vincent Abril et Stijn Scott-Horst se partagent quant à eux la septième ligne. Huitième ligne pour Aurélien Panis sur l'unique Lexus engagée, celle de l'équipe Tech 1 Racing bien sûr, et Tom Gamble. Rick Brückers et Steven Palette s'élanceront depuis la neuvième ligne de cette grille départ. Dixième ligne pour Kim Lüchram et Taylor Proto. Nous avons ensuite en onzième ligne Rinat Salikov et Finlay Hutchison. Douzième ligne pour Aro Vigno et Louis McHills. Hiroshi Hamaguchi en avance, Arovenio et Louis McHills, on les a ici avec l'Aston et la Ferrari. Hiroshi Hamaguchi, leader du championnat Pro-Am, et Florian Scholz, le leader du championnat Am, sont en 13e ligne. 14e ligne pour Mauro Ricci et pour Rory Penttinen qui est sorti de la piste lors des essais qualificatifs. On voit d'ailleurs quelques dégâts sur la voiture, mais qui va pouvoir s'élancer. Une grille complète de nouveau, Laurent, 28 voitures. Ouais, 28 voitures, on a quelques renforts avec justement cette Ferrari du Kessel Racing. Et on sait que sur un circuit du Nürburgring où il est particulièrement compliqué de dépasser, avec les pilotes qui vont emprunter la chicane rapide, alors qu'on se retrouve au moment du départ avec le leadership pour la Lamborghini du team Grasse Racing Team, la numéro 63, qui va donner le ton.
C'est parti avec Mirko Bortolotti, effectivement, en pôle, excellent départ de Mirko Bortolotti. C'est un peu moins bien, je pense, pour Lucas Stolz qui est sur la ligne extérieure et qui pourrait même se faire doubler par un Simon Gachet qui est bien placé à l'intérieur. Alors que va-t-il faire, Lucas Stolz? Il est sur la ligne extérieure, Simon Gachet va prendre la corde. Et Lucas Stolz qui, tout en faisant l'extérieur, va garder cette deuxième position sur la Mercedes numéro 4 de l'équipe Black Falcon. On a eu un départ assez calme, hein. Très très calme effectivement, alors que le premier virage ici sur le Nürburgring est toujours un peu délicat, avec un virage qui est pratiquement une épingle à cheveux. Tout ce premier secteur, hein, très très technique, ce que l'on appelle la Mercedes Arena, toujours assez délicat. Mirko Bortolotti donc en tête, derrière lui Lucas Stolz, Simon Gachet troisième, et Mattia Drudi qui a pris un excellent départ. Il était cinquième sur la grille et là il a pris l'avantage sur son équipier Kelvin Van der Linde sur l'Audi numéro 66. Et puis on a Marco Mappelli qui est en sixième position. Marco Mappelli qui est deuxième actuellement du championnat avec Andrea Caldarelli. On se souviendra que ces deux-là avaient gagné notamment une course à Misano. Six vainqueurs différents, Laurent, depuis le début de cette année. Preuve de l'intensité des débats, hein, une fois encore, dans ce Blancpain GT World Challenger. Ouais, c'est la même chose en qualification. Hein. On n'a pas souvent la même voiture qui réalise la pole. Donc ce qui montre, hein, toute la diversité et la qualité de ce championnat sprint. Le moindre détail, on a eu l'occasion de se rendre compte plusieurs fois évidemment depuis le début de cette année, le moindre détail peut faire la différence. Alors on a une Ferrari, c'est celle de Rory Penttinen je pense, qui était un peu large, et Mauro Ricci qui est parti à la faute. À l'équipier de Jim Pla, le pilote français, l'un des représentants de Mercedes dans le Blancpain GT World Challenge. Et Mauro Ricci, hein, qui partage son baquet avec Jean-Luc Boblik en fonction des meetings. Ici Mathieu Drudi qui a déjà doublé Simon Gachet, et c'est Kelvin Van der Linde maintenant, l'autre pilote à Telto Racing, qui est à l'attaque derrière Simon Gachet. Ça a l'air difficile en ce début de course pour Simon Gachet de trouver le bon rythme. Dommage, hein, pour le pilote isérois. Excellent troisième des essais, ouais, qui reste sur une victoire sur le circuit de Zandvoort, effectivement en compagnie de Christopher Haase, qui lui connaît parfaitement le tracé, hein, du Nürburgring. Ça ne fait aucun doute. Sous toutes ses coutures, hein, Christopher Haase, qui fait partie des anciens vainqueurs des 24 heures des Nürburgring. On revoit le départ ici avec Ezequiel Pérez Campagne qui est directement venu se placer entre les deux files. Et on le revoit à bord d'ailleurs. J'ai cru, Laurent, que Simon Gachet allait pouvoir s'emparer de la deuxième position. Il s'en est fallu de peu. Hein. Oui, mais il n'a pas réussi à trouver l'ouverture. On a bien vu Lucas Stolz faire l'extérieur. Il y en a qui doit remonter aussi. Hein. C'est Vincent Abril, hein, sur la Mercedes numéro 88 du team AKASP. Cette voiture était seulement 13e. Ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, par rapport au meeting précédent, hein, pour cette numéro 88. Ouais, pour l'équipe AKSP de manière générale, hein, d'ailleurs, qui avait gagné à Brandsatch, on s'en souvient, avec Nico Bastian et Thomas Neubauer, qui a signé la pole position à Misano avec Raffaele Marcello, qui a gagné une course à Zandvoort avec Raffaele Marcello et Vincent Abril. Mais effectivement, ici sur le Nürburgring, on est un peu moins performant dans le clan AKSP. Preuve effectivement que c'est difficile, hein, aussi de pouvoir se montrer régulièrement aux avant-postes. Ce que font très bien pourtant ceux-ci, hein, Laurent, Marco Mappelli et Andrea Caldarelli, déjà monté 4 fois sur 6 sur le podium depuis le début de cette année. Et on sait qu'en plus, hein, la clé du championnat, hein, c'est principalement la régularité. Alors qu'on revient avec la Mercedes numéro 89 et l'Audi WRT. Hein. Donc chez WRT, on a des nouvelles couleurs. Hein. Vous ne serez pas surpris de voir un petit peu de couleurs vives, hein, sur les 4 Audi du team belge. Là, on a Ezequiel Pérez Campagne attaqué par Ricky Collard. Oui, l'Aston Martin Air Motorsport, hein, voilà, qui s'est plutôt bien débrouillé lors du meeting précédent de Zandvoort. Des Aston Martin, hein, qui disputent leur première saison avec la nouvelle Vantage GT3. Et qui continue de monter en puissance avec cette voiture. Ouais, du côté d'Air Motorsport, on avait notamment gagné la Silver Cup à Zandvoort avec l'autre voiture, celle d'Arovenio, et du Go de Sadeler, un peu moins performante toutefois ici sur le Nürburgring. Alors là, on a Mattia Drudi attaqué par Kelvin Van der Linde, deux pilotes officiels Audi Sport Customer Racing, troisième et quatrième pour l'instant. Alors j'imagine qu'entre ces deux-là, on ne va pas se livrer un trop trop grand duel, ça serait malvenu. C'est quand même des appels de feu, hein, du côté de Kelvin Van der Linde. On met un petit peu de pression, hein, quand même sur Mattia Drudi. Il faut dire que Kelvin Van der Linde, il est un peu à la maison, hein, quand il est sur le circuit du Nürburgring. Le Sud-Africain
qui, je pense d'ailleurs, vit principalement en Allemagne, ancien vainqueur. Il avait été le premier Sud-Africain à gagner les 24 heures Nürburgring, ancien champion de l'Attaque GT Masters aussi. Et qui aura la chance de rouler sur cette terre en Afrique du Sud à Kialami un petit peu plus tard dans l'année hein, pour la finale de l'Intercontinental GT Challenge. Autre championnat organisé par SRO. Et ça ne passe pas hein, pour l'instant pour Kelvin van der Linde qui reste derrière Mattia Drudi. La descente vers le long virage à droite. Cette longue courbe qui est pratiquement une épingle. Il y va de nouveau Kelvin van der Linde et cette fois Mattia Drudi n'a pas résisté. Bon, j'imagine que la radio a dû fonctionner. Alors on a dû lui dire au pilote italien de laisser passer. Regardez Kelvin van der Linde qui revient sur les castols. C'est pendant cela Marco Mappelli passe à l'attaque sur Simon Gachet. Changement. Marco Mappelli qui prend ainsi la cinquième position, une place de gagnée pour la Lamborghini de l'équipe Orange One FFF Racing. Marco Mappelli et Andrea Caldarelli qui, que ce soit en sprint ou en endurance Laurent, et toute l'équipe d'ailleurs Orange One, on revoit le dépassement ici de l'Italien. Que ce soit en sprint ou en endurance, ils étaient présents pratiquement lors de chaque rendez-vous. Hein. Alors en plus, hein, c'est une équipe hein, qui débute hein, dans ce championnat Blancpain GT Series, hein, ce team chinois Orange One FFF Racing Team hein, qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent en Asie, titré en Blancpain GT World Asia. Ouverture de la fenêtre, pit stop d'ici quelques instants, on pourra avoir les premiers concurrents qui vont rentrer dans la voie des stands pour leur changement obligatoire. Changement de pneumatique, changement de pilote aussi, c'est ce que prévoit le règlement. Ah, et ça rentre directement. Ouais, et les trois leaders. Hein, oui, et Marco Mappelli également. Marco Mappelli, hein. Donc, 4 des 5 premiers de retour dans la voie des stands. Mirko Bortolotti, Lucas Stolz, Kelvin van der Linde. Je pense que Mattia Drudi est resté en piste, mais dans le clan à Temto, on n'a pas voulu faire rentrer les deux voitures en même temps. Et puis on a vu rentrer également Marco Mappelli. On a vu rentrer aussi la Mercedes de l'équipe AKSP, celle de Vincent Abril. Et il y avait le changement de Lucas Stolz et de Maro Engel, la Mercedes de l'équipe Black Falcon, numéro 4, deuxième. Donc en ce début de course, les leaders du championnat, de nouveau en passe d'aller marquer de très gros points ici. Voilà Lucas Stolz qui est à côté de la voiture. Maro Engel, on relâche cette voiture. Kelvin van der Linde qui a cédé le relais également. Ah, une touchette! Une touchette avec Maro Engel en repartant qui est venu toucher l'Audi numéro 10. Attention à la Lamborghini qui repart également et qui a failli toucher à son tour Maro Engel. Christian Engelhardt. Laurent, c'est chaud dans la voie des stands. Hein. Laurent. Je pense qu'on a relâché un petit peu la Mercedes un poil trop tôt par rapport à l'Audi. Bon, il y avait deux voitures de toute façon dans la voie des stands, mais là, je pense que ça va être compliqué d'éviter la pénalité hein, pour cette Mercedes numéro 4, ce qui serait vraiment dommage dans l'optique du championnat. Une pénalité dans ce cas-là pour unsafe release, comme on dit en anglais, ça veut dire de relâcher la voiture de manière non sûre, tout simplement, sans respecter les règles de sécurité. Ah, j'ai des craintes, effectivement, pour Maro Engel et lui. Castol, alors on est reparti, ils sont derrière Christian Engelhardt. On va revoir ce qu'il s'est passé. La voiture repart. Et il n'y a pas l'espace. Hein. Et regardez, elle vient toucher l'Audi de l'équipe WRT. C'est l'Audi numéro 10, celle-là. C'est celle du néerlandais Rick Breukers qui a ralenti du coup pour laisser passer. Et quand ça repart, c'est tout juste. Laurent, a priori, ça c'est autorisé. C'est la limite, mais c'est autorisé. Ouais. La touchette, ça va être plus délicat. La touchette, ça va être compliqué d'éviter la pénalité. On va voir ce que les commissaires sportifs vont décider. Et une équipe qui a réalisé une très bonne opération durant ce pit stop, Laurent, c'est celle Lorenz Juan FFF. On voit effectivement ici Andrea Caldarelli qui est revenu derrière Christian Engelhardt et Maro Engel. Trois voitures en lutte pour la tête. L'arrêt maintenant de Mattia Drudi, l'ancien leader, enfin il est toujours leader pour l'instant, leader de la Silver Cup, c'est l'objectif hein, clairement de l'équipe Atemto. Avec Mattia Drudi qui fait équipe avec Milan Dondieu, le champion d'Europe en titre du championnat GT4 et drive-through. Voilà Laurent, c'est confirmé. Drive-through pour la voiture numéro 4 pour Unsafe Release. Ouais, ça aurait été difficile de passer à côté, hein, on vous l'a dit. On s'y attendait. Hein. Ben, on s'y attendait, mais sur une course d'une heure, ça fait pas les affaires de cette numéro 4 hein, de Lucas Stolz et Maro Engel. Hein. Et dire que jusqu'à présent, leur plus mauvais résultat était une quatrième place. Ouais, c'était un sans faute hein, jusqu'à maintenant. Voilà, l'arrêt dans la voie des stands, le drive-through, passage par cette voie des stands où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'objectif maintenant, ça va être de récupérer quelques points pour le championnat pour cette numéro 4.
Et en attendant, du côté de Lamborghini, on est en passe de réaliser un doublé, ce qui fait rire Gottfried Grasser, parce que c'est sa voiture pour l'instant qui est devant, pilotée par Christian Engelhardt. Attention toutefois, celui-ci, Laurent, il est en train de revenir. Oui, Christopher Haas qui remonte sur l'Audi Saint-Elot. On a vu que le début de course de la numéro 25 était un petit peu compliqué. On a été très très bon dans les stands lors du changement de pilote et du changement de pneumatique. Et maintenant, du côté de Christopher Haas, on va cravacher pour remonter sur ces deux Lamborghini. On voit que Christian Engelhardt est un petit peu plus lent que Andrea Caldarelli. En plus, les deux se connaissent bien parce qu'ils ont roulé ensemble dans le passé. Ah, ils étaient champions ensemble d'ailleurs dans le championnat endurance il y a 2 ans, en 2017, à l'époque où Andrea Caldarelli faisait partie de l'équipe Grasser Racing Team. Bon, désormais, on a plutôt une lutte entre ces deux équipes. Ouais, c'est un petit peu une lutte interne dans le camp Lamborghini. On a deux équipes de pointe qui représentent la marque italienne. Essaye du côté de Marco Mappelli, mais pour le moment on peut dire que, et c'est moi qu'on puisse dire d'ailleurs, que Christian Engelhardt sait comment fermer les portes. Lui aussi il connaît le circuit du Nürburgring par cœur, Christian Engelhardt, habitué à rouler ici. Marco Bortolotti qui doit commencer à s'inquiéter, il reste 12 minutes. Est-ce que l'Allemand va pouvoir résister 12 minutes? Il va y avoir un autre élément qui va rentrer en ligne de compte, c'est l'Audi. Ouais. Christopher Haas sur l'Audi Saint-Elot qui fait le joint par rapport aux deux Lamborghini. Le duel qui se transforme en triangulaire. Et attention pour la victoire aussi à l'Audi WRT qui est au fond de l'image. Avec Christopher Mies qui est en train de revenir également. Peut-être une magnifique bagarre. Deux Lamborghini face à deux Audi. Et on essaye. Touchette entre les deux Lamborghini. Et Christopher Haas qui va en profiter pour s'intercaler entre les deux. Il est passé, Christopher Haas. Ah là, dans le clan Lamborghini, on s'est un peu tiré de balle dans le pied. Et je trouve qu'Andrea Caldarelli a pris un peu de risque là, en tentant par l'extérieur. Alors, est-ce qu'il va pouvoir reprendre l'avantage sur Christopher Haas ou est-ce qu'on va vers une victoire Audi? Marco Mappelli qui regarde, qui est un peu inquiet. On change la donne maintenant avec Christian Engelhardt devant Christopher Haas. Et une touchette! Une touchette entre Christopher Haas et Christian Engelhardt. Regardez qui va en profiter, c'est Andrea Caldarelli qui vient faire l'extérieur, qui était troisième il y a quelques instants encore et qui se retrouve maintenant côte à côte avec Christian Engelhardt. De nouveau, deux Lamborghini devant. Il vient à l'extérieur, Andrea Caldarelli l'a freiné un peu plus tard que Christian Engelhardt. Il est tout sur la ligne extérieure, c'est un peu relevé à cet endroit et il parvient à garder la vitesse, il est passé. Andrea Caldarelli qui prend la tête devant Christian Engelhardt et Christopher Haas. Comme quoi, la vérité d'un virage n'est pas celle du virage suivant, ouais, Laurent. Et Christopher Haas n'a pas dit son dernier mot. Il reste 10 minutes. Et il y a quand même une touchette, non? Il s'est passé quelque chose là. Touchette. Et on voit Christopher Mies aussi, qui continue de remonter un petit peu. Lui aussi pourrait revenir sur Christopher Haas. On sait que la Lamborghini et l'Audi partagent le même moteur, un V10 atmosphérique 5 litres 2, qui est le même bloc du groupe Volkswagen. En termes de puissance, il n'y a pas de grande différence entre ceux-là. C'est d'autant plus difficile pour dépasser, évidemment, pour Christopher Haas. Andrea Caldarelli, lui, Laurent, ne demande pas son reste. Il est parti, clairement, le pilote italien. On va revoir ce qui s'est passé ici. La petite touchette entre Christian Engelhardt et Andrea Caldarelli. Mais il n'y avait rien de bien méchant, mais ils se sont touchés quand même. Ouais. Et puis ici, le dépassement. Et qu'Andrea Caldarelli, qui a profité d'une touchette entre Christopher Haas et Christian Engelhardt. Et là aussi, c'est une petite touchette. Et là, magnifique, le dépassement par l'extérieur, parce qu'il est à l'extérieur, Andrea Caldarelli, mais il parvient. Et puis là, le virage fait que Caldarelli a un petit peu plus de vitesse. Et c'est un virage un peu relevé là-bas, avec un léger banking. Et Christopher Haas, toujours en lutte pour aller chercher, après avoir gagné à Zandvoort, aller chercher peut-être une deuxième place. Et Christopher Mies est revenu aussi. La lutte entre les deux Christopher de l'équipe Audi Sport Customer Racing. Rappelons que ces deux-là ont été équipiers par le passé à plusieurs reprises. Ils avaient notamment été champions d'Europe GT3 ensemble, champions dans la Blancpain Endurance Series en 2012 ensemble également, à l'époque avec Stéphane Ortelli. Si on a des pilotes qui connaissent bien l'Audi R8 LMS, c'est bien les deux Christopher. Et on a un autre pilote qui est revenu dans la bagarre également dans ce dernier tour, c'est Dries Van Thor. Deux Lamborghini devant trois Audi pour l'instant dans le top 5. Christopher Haas qui va essayer jusqu'au bout. Le dernier tour de cette course d'une heure ô combien passionnante. Et avec Laurent, un équipage qui est parti depuis la 6e position
en mesure de s'imposer. Qui a dit qu'il n'y avait pas moyen de doubler sur le Nürburgring? Eh oui, même avec la chicane rapide. Hein. Ouais. Effectivement, en attendant pour la deuxième position, c'est pas encore fait. Christopher Haas qui se dit, mais s'il y a moyen de doubler, je voudrais bien que vous m'expliquiez comment, parce que moi je suis bloqué derrière ces Lamborghini depuis plus de 20 minutes maintenant. Le passage par le S, Michael Schumacher. On aurait pu penser aussi que chez WRT, on fasse une course d'équipe en laissant passer la voiture de Dries Van Thor, hein, qui est mieux placée au championnat par rapport à celle de Christopher Mies, mais chacun fait sa course. Dans le championnat pilote, effectivement. Dries Van Thor, qui est le dernier à peut-être avoir encore une petite chance. Andrea Caldarelli, lui, il déroule. Hein. Ouais, clairement, fin de course sans problème. Et deuxième victoire, ce sont les premiers doubles vainqueurs. Ils avaient déjà gagné à Misano. Ils gagnent ici sur le Nürburgring, Andrea Caldarelli et Marco Mappelli, les deux pilotes officiels Lamborghini qui s'imposent. Et derrière, Christian Engelhardt résiste jusqu'au bout pour prendre la deuxième position avec Mirko Bortolotti. Il a résisté à Christopher Haas qui terminera sur le podium avec Simon Gachet. De nouveau un podium pour Christopher Haas et Simon Gachet. C'est le troisième cette saison en cette course. Et on peut applaudir dans le clan Saint-Elope. On a devancé les deux voitures du team WRT. Et derrière, regardez la Mercedes, celle de Maro Engel et de Lucas Stoll. C'est Maro Engel au volant qui termine finalement 8e. À quelques points. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Qui sait si ces 2 points-là qu'ils sont allés chercher à l'arraché aujourd'hui ne vont pas faire la différence. Et on va écouter les vainqueurs. Andrea, félicitations. Thank you so much. Merci beaucoup. Mais dites-moi tout d'abord, est-ce que c'est mieux comme victoire en tant que patron d'équipe ou comme pilote? Ah, c'est difficile à dire. Tous les gars méritent tellement cette victoire. La voiture était vraiment fantastique. C'était difficile ce matin lors des essais qualificatifs. Mais en tant que pilote et en tant que team principal, je suis vraiment très heureux pour tout le monde. Vous êtes parti 6e, 3e sur la grille. Ce n'est pas facile de gagner. Ici sur Nürburgring. Non, c'est pas facile du tout. C'est très très difficile. J'ai vraiment essayé de dépasser Christian autant que je pouvais. C'était tellement difficile. Mais à la fin, parfois il faut juste être patient. Alors, dites-nous le secret de votre voiture. On ne le dira à personne d'autre. Mais dites-nous, il s'est passé, il y a eu un contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je regardais après. Effectivement, après, la direction était un peu plus difficile. J'avais peur que nous perdions la direction assistée. Je ne sais pas. J'ai essayé de le dépasser à l'extérieur. J'ai juste vu la voiture venir, on s'est touché, mais bon, rien ne s'est passé heureusement. Marco, vous avez pris le départ, c'était difficile dans les premiers tours. Oui, évidemment, quand on est derrière, on sait que c'est pas facile de dépasser ici. On sait que notre voiture est très bonne pendant la course dans la dégradation des pneus. On doit trouver quelque chose en plus lors des essais qualificatifs pour essayer de partir devant et avoir une vie un peu plus facile. Vous nous avez dit que vous étiez assez prudent dans les dépassements, mais vous avez quand même passé 3 voitures avant de donner le volant à Andrea. Oui, oui. On se bat pour le championnat, alors les manœuvres risquées ne sont plus acceptables, dit Marco Mappelli. Une décision très sage pour le duo italien. Christian, c'était dur. Oui, c'était dur. Oui, on avait vraiment beaucoup de dégradation des pneus. Je me suis vraiment beaucoup battu durant mon relais. En fait, on n'avait pas le rythme, tout simplement. J'ai essayé de défendre autant que je pouvais. Je pense que j'ai plutôt bien géré, resté devant malgré le rythme que l'on avait. Mais ça a été l'une des courses les plus difficiles que j'ai jamais eues. Il y a eu un contact dans la ligne droite de départ. C'était du contact amical ou c'était vraiment une agression? Oui, je pense que c'était surtout une incompréhension. Il a bougé vers moi, j'ai défendu ma position et il m'a touché à gauche, mais après je dois regarder les images. En tout cas, rien de grave ne s'est passé, donc je suis très heureux parce qu'on n'aurait pas voulu ruiner un doublé de Lamborghini. On s'est touché un peu, donc c'est pas grave. Et on voit ici les points en championnat, Marco Mappelli et Andrea Caldarelli qui prennent la tête grâce à ces victoires. 69,5 points, 63,5 points pour Lucas Stoll, c'est Maro Engel. Deuxième, Mirko Bortolotti et Christian Engelhardt reviennent à la troisième position à 51,5 points devant Raffaele Marcello et Vincent Abril. On rappellera, Laurent, qu'après cette première course ici sur Nürburgring, il y a encore 50 points attribués, pratiquement. 49,5 pour être tout à fait précis. Non, on va voir... 35 points Budapest, plus 16,5 aujourd'hui, 51,5 effectivement attribué, tout reste possible. Ouais, surtout quand on connaît hein, le niveau de compétitivité de ce championnat. Bon, par contre, cette course-là va être importante, hein, la deuxième course du Nürburgring.
Et voici le château du Nürburgring pour vous accueillir en ce dimanche, deuxième course du week-end des Blancpain GT World Challenge Europe avec vous, bien sûr, Laurent Mercier. Des températures qui ont bien, bien changé depuis hier. On n'a pas de pluie pour le moment, mais par contre, c'est sûr qu'on a perdu une bonne dizaine de degrés sans problème. Voilà, on a 19 degrés 2, ce qui tranche avec la température d'hier. Ça fait 10 degrés en moins. Exactement, 10 degrés. On a une température de piste de 28 degrés 6. Et on va aller retrouver l'équipier du Pullman, c'est-à-dire Ezequiel Pérez Campagne, l'équipier de Dries Van Thor. Ezequiel. Et il y a eu un bon tour pour passer la pole pour position. Oui, Dries a fait un magnifique travail. L'équipe aussi nous a donné une bonne voiture. On espère avoir une course clean, une course propre et terminer là où on démarre. Il paraît que vous avez fait du bon travail en épargnant un set de pneus grâce au travail de Dries. Oui, effectivement, on pourra attaquer durant la deuxième partie de la course aussi. J'espère qu'on peut créer un écart et puis le maintenir et sans gagner. Ce sera vraiment un premier relais important pour Dries de garder la tête et puis de pouvoir creuser l'écart. Oui, mais les trois premiers virages sont les plus importants. Il faut rester devant. Notre équipe est très bonne au pit stop. Donc c'est sûr, on ne devrait pas perdre lors du pit stop, mais je suis confiant quant au travail de Dries. Pour l'Argentin, il fait beaucoup plus froid qu'hier. Est-ce que ça va être aussi? Oui, c'est bien pour les Audi. Oui, je suis très heureux de ça. Bonne course. Ezequiel Pérez Campagne de retour, on le rappelle. Il a un look particulier, Ezequiel Pérez Campagne. Oui, il laisse pousser la barbe. Il laisse pousser la barbe, clairement. Est-ce qu'il attend une première victoire? Il est toujours à la recherche d'une première victoire. Dries Van Thor avait gagné à Misano, mais on se souvient qu'il avait à l'époque fait équipe avec Charles Wirth. On va retrouver Dries Van Thor d'ailleurs à l'interview. Je sais que vous étiez occupé dans les stands, mais dites-nous, ce tour en qualif était fantastique. Oui, la voiture fonctionne vraiment bien depuis le début du week-end, comme je vous l'ai déjà dit hier. Ça rend juste la vie plus facile, mais c'est vrai que mon tour était très bon. On est parvenu à préserver un set de pneus comparé à nos adversaires. J'espère qu'on pourra en garder un avantage. Essayer de creuser un écart. Et j'espère qu'Ezequiel pourra être plus cool et avoir un relais plus facile. J'espère en tout cas. Quand on explique comme ça, ça a l'air facile, mais ce n'est jamais aussi facile à réaliser. Vous avez gagné les 10 heures de Suzuka la semaine dernière. Ça a été vraiment un pilotage fantastique de vous trois. Est-ce que vous pouvez faire la même chose cet après-midi? Oui, si on regarde qui démarre autour de moi, il y a Haas, Engel, Mies, ça ne sera pas facile. Mais je pense que notre voiture marchait vraiment bien hier durant la course. On a vu qu'on avait un bon rythme, c'était rapide. Il faut juste avoir un bon départ, éviter les problèmes au premier virage et puis regarder devant, essayer de creuser l'écart. Et bien utiliser ces pneus. Oui, j'espère. Pas trop, mais oui, j'espère. Très Van Thor, qui a toujours l'air un peu presque timide comme ça à l'interview, un peu presque mal à l'aise. Sacré garçon que ce Dries Van Thor, mais quelle pointe de vitesse pour lui. Et puis les mentions, évidemment, Antoine Hubert, c'était, bon, on va pas en faire de grands discours, mais c'était le sujet de discussion évidemment dans le paddock hier où le monde, la grande famille du sport automobile de manière générale avait clairement le cœur en peine hier suite au décès, vous le savez, d'Antoine Hubert lors d'une course de FIA Formule 2 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et dans ce cas-là, on dit que le sport automobile devient finalement assez anecdotique. On a une pensée émue pour Antoine, que j'avais eu la chance de bien connaître, notamment durant sa période de karting, qui était vraiment, au-delà d'être un très très bon pilote, un charmant garçon. Salut Antoine, tu nous manqueras assurément. Allez, on retourne sur la grille départ. La course continue malgré tout. On est dans l'équipe Saint-Éloque. Course fantastique hier. Vous êtes parti, vous allez partir de nouveau depuis la première ligne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de pression? Non, franchement pas. Je pense que ce serait une bonne course. Chris a vraiment fait un travail remarquable hier en qualification. On doit prendre de gros points aujourd'hui. Christopher, c'est vous qui allez donc prendre le départ. Oui. Le perfect job, ça aurait été la pole position. Donc pour moi, c'est mon travail n'était pas parfait. Le départ, je pense que ce sera assez difficile. Il y a pas mal de bons pilotes et de bonnes voitures ici autour de moi. On verra comment ça se termine au premier virage et puis le virage numéro 2 aussi. Ce sera vraiment le facteur clé.
It works well, but sometimes also it doesn't parfois, work well. L'extérieur au virage 1 fonctionne bien, oui, parfois, mais parfois ça ne fonctionne pas. Nous dit Christopher Haas, oui, c'est un peu risqué. Laurent, voilà, Racing for Antoine, là aussi pour Raffaele Marcello et Vincent Abril. Le sujet, forcément, c'est l'Italien Raffaele Marcello qui, dans quelques instants, va donc prendre le départ. On a vu John Watson qui était là, prêt pour l'interview. Pas mal de tension, hein, tout de même, Laurent, aujourd'hui. On sent qu'on arrive dans la phase finale du championnat. Il reste trois courses, une cet après-midi, deux demain. Bon, est-ce qu'on va avoir une interview? Non, allez-y Laurent. Bon. On nous disait dans l'oreillette, ouais, peut-être John Watson. C'est pour ça que cette course va être importante. On a des écarts qui sont assez serrés pour le leadership du championnat. Et on va retrouver Ricky Collard, le pilote Aston Martin, avec John Watson. Ricky, vous partez en troisième ligne de nouveau. Est-ce que vous pouvez faire un meilleur résultat de la septième position d'hier? Oui, c'est une piste difficile pour notre voiture. On travaille vraiment dur avec le package que nous avons. Marvin a vraiment fait du très bon travail en qualification. Je pense que la course sera intéressante. J'espère qu'on sera bien en course. On a un pack d'Audi devant nous, mais on va faire de notre mieux évidemment pour gagner des places. Mais je pense que la voiture sera particulièrement bonne aujourd'hui. Il va faire plus frais cet après-midi, ça va aider tout le monde. Est-ce que vous, ça vous aidera plus que les autres? Oui, je pense. Je pense que les Audi vont peut-être souffrir un peu plus pour mettre les pneus en température quand il fait un peu plus frais. Donc durant les premiers tours, peut-être on va avoir un avantage. Mais on doit être sûr également qu'au milieu de la course, on pourra avoir un rythme régulier. C'est important pour moi quand je vais monter dans la voiture. Et j'aimerais jouer des deux tours avec des nouveaux pneus. Est-ce qu'Aston Martin... Laurent pourrait créer la surprise. Alors effectivement, on a trois Audi, une Mercedes, et puis cette Aston en cinquième position. Ouais, et bon, cette Mercedes sixième. Ouais. Donc on a quand même pas mal de concurrence hein, pour cette Aston Martin hein, de Marvin Kirchhoffer et Ricky Collard. Mais on a vu à Zandvoort que cette Aston s'était plutôt bien comportée. Et comme l'a précisé Ricky Collard, c'est sûr que la température qui est un petit peu moins élevée, enfin moins élevée d'ailleurs qu'hier, peut aussi jouer en faveur de la GT britannique. Donc il va falloir se méfier tout de même hein, de la première ligne hein, puisque Dries Van Thor et Christopher Haas c'est du solide. Bon, c'est la même chose, vous me direz, en deuxième ligne hein. Christopher Mies et Maro Engel. Alors qu'on est à l'image c'est avec la numéro 563 hein, les vainqueurs d'hier, la Lamborghini Orange One Team FFF, celle qui est pilotée par Andrea Caldarelli qui partira donc un petit peu plus loin aujourd'hui. Avec cette mention hein, sympa hein, pour une équipe chinoise, la mention en français. Au revoir Antoine. Ils étaient 6e hier, 7e sur la grille départ aujourd'hui. On a vu qu'hier ça les a pas empêchés de gagner. Et puis on a Frédéric Vervich, vainqueur avec Dries Van Thor et avec Kelvin Vanderlyn des 10 heures de Suzuka la semaine dernière, le pilote belge. L'homme en forme du moment, hein, Fred Vervich. Hein. Qui a gagné les 24 heures de Dubaï, les 24 heures de Nürburgring et les 10 heures de Suzuka. Tout ça la même année. Pas mal. Et vous ajoutez à cela un succès en FIA WTCR, les courses pour voitures de tourisme, où il représente également officiellement Audi Sport Customer Racing avec l'équipe Come to You. Donc il passe d'une équipe à l'autre avec le même succès d'ailleurs, Fred Vervich. Là, il roule pour le Phoenix Racing. On l'a vu avec WRT la semaine dernière. On le voit avec Come to You en FIA WTCR. Voici la grille de départ de la course 2, Dries Van Thor, Christopher Haas en première ligne. Ce qui était déjà le cas d'ailleurs à Zandvoort, on s'en souvient. Christopher Mies et Maro Engel sur la deuxième ligne, une Audi et une Mercedes. Nous aurons ensuite Marvin Kirchhoffer et Raffaele Marcello sur la troisième ligne de cette grille de départ, la première des deux Aston Martin Vantage engagés. Quatrième ligne pour Andrea Caldarelli et Frédéric Vervich, les vainqueurs d'hier et leaders du championnat d'un côté, Frédéric Vervich de l'autre. Donc David Perel avec la première des Ferrari, excellent 9e devant Christian Engelhardt sur la Lamborghini du Grasser Racing Team. Nous allons ensuite avoir le Colombien Oscar Tunro et le Britannique Jack Oxford sur la Lexus, 12e, pas mal hein Laurent, pour cette Lexus de l'équipe française Tech 1 qui dispute son deuxième meeting ici dans le championnat sprint. Jim Pla avec la Mercedes AKSP et Phil Keane avec la Lamborghini FFF sont en 7e ligne, 8e ligne pour Dorian Boccolacci, un pilote français qui fait ses débuts, qui connaissait bien lui aussi Antoine Hubert. Le cœur doit être un peu gros pour Dorian aujourd'hui. Andrea Bertolini est en 16e position, 17e position pour Marcus Winkelhock et pour Timur Bogdublavski qui est 18e. Diego Menchaca et Nick Foster sont en 10e ligne, 11e ligne pour Thomas De Boer et Hugo de Sadeleer.
Thomas De Boer, qui voudrait tellement briller aujourd'hui, lui qui s'entraîne, ils ont le même préparateur physique avec Antoine Hubert. On l'a vu, Thomas longuement dans le paddock hier, lui aussi était très très touché. Jimmy Green partira seulement depuis la 12e ligne avec Milan Dontieu, et puis Che Davis et Wolfgang Triller, et on terminera avec Stephen Earl en 14e ligne de cette grille départ, le pilote américain, et une voiture qui s'élancera, Laurent, depuis la voie des stands. Oui, l'Audi Attempto Racing hein, de Kelvin van der Linde et de Clemens Schmidt, une voiture qui s'élancera donc depuis la voie des stands suite à un changement de moteur à l'issue de la course 1. Drapeau vert présenté, tour de formation, et on va être parti donc pour 60 minutes. On rappelle les règles du jeu. Évidemment, vous les connaissez, une course d'une heure avec un arrêt au stand obligatoire, changement de pilote, changement de pneu, durant une fenêtre, Laurent, cet arrêt, donc on ne peut pas le faire n'importe quand. Oui, entre la 25e et la 35e minute, sachant que les équipages qui roulent en pro AM et en AM, eux, devront respecter un arrêt d'au moins 62 secondes pour des questions de sécurité, hein, pour que tous les pilotes repartent bien attachés. On sait que les gentleman drivers ont un petit peu moins l'habitude que les professionnels, donc il faut un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça que cette année on a mis une fenêtre qu'on retrouve habituellement dans le championnat endurance. Oui, pour les autres par contre on peut aller le plus vite possible, c'est-à-dire que l'équipe peut faire la différence. On a vu d'ailleurs hein, encore vendredi soir les équipes qui multipliaient les simulations d'arrêt au centre, changement de pneus, toujours aller plus vite, aller gagner quelques dixièmes qui pourront faire la différence. Et puis Laurent, et le passé nous l'a appris, hein, on se souvient il y a deux ans notamment, hein, Dries Van Thor et Marcel Fessler avaient perdu le titre suite à une erreur de l'équipe. On a vu hier Maro Engel et Lucas Stoltz, hein, l'équipe Black Falcon qui a perdu gros avec cette unsafe release, le fait d'avoir relâché la voiture. Cet arrêt au stand, c'est clairement un moment où on peut faire la différence, mais on peut surtout tout perdre aussi. Oui, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. On sait que maintenant on a des équipes quand même qui sont très affûtées, hein, qui s'entraînent. On sait que WRT a mis notamment la barre très haut. Et maintenant, tout le monde a rectifié un petit peu, tout le monde s'est entraîné. On sait que chez AKSP, on est rapide, que chez Saint-Éloc, on est très rapide aussi. C'est le cas chez Black Falcon, chez Grasseur. Donc toutes ces équipes-là, outre le fait qu'elles s'épient un petit peu, hein, quand elles s'entraînent, l'une n'hésite pas à regarder ce que fait l'autre pour essayer de trouver un petit truc. On se filme même les uns les autres. On filme un peu les autres en disant mais comment ils font, par où ils passent. Voici la 66 qui partira donc malheureusement depuis la voie des stands suite au changement de moteur. Clement Schmidt avec Kelvin van der Linde. Kelvin van der Linde qui avait été plutôt brillant, Laurent, hier en début de course. Ouais, hein, une voiture qui n'a pas terminé, hein, qui a abandonné. Suite à un bris de moteur. Exactement. D'où le changement d'ailleurs. Hier, la voiture de sécurité, la leading car qui va s'effacer, une Audi devant trois Audi dans ce cas-ci. Bon, évidemment, retrouver des Audi aux avant-postes n'est pas surprenant, d'une part parce qu'on sait que l'Audi R8 LMS est performante, on sait qu'on a affaire à des équipes comme Saint-Éloc ici, comme WRT, comme Attempto, qui sont des équipes de premier plan, et puis on sait aussi que du côté d'Audi, on a la force du nombre, évidemment, 12 R8 LMS engagés, c'est de loin plus de voitures que n'importe quel autre constructeur, puisqu'on est avec 5 Mercedes, 4 Ferrari, 4 Lamborghini, 2 Aston et une Lexus, soit au total 6 marques différentes représentées. Et sans surprise, depuis le début de cette année, la lutte oppose Lamborghini, Mercedes et Audi qui sont vraiment les marques en forme. Voilà, comme un Zandvoort, hein. Zandvoort, c'est Christophe Horas qui avait signé la pole devant Dries Van Thor. Cette fois, le scénario est inversé pour cette course 2. On a deux des meilleurs pilotes Audi, hein, sans aucun doute, qui sont là en première ligne. Les feux sont rouges, c'est Dries Van Thor qui donne le départ et qui donne le tempo. Et c'est parti, attention, ce premier virage, ô combien important. Christophe Horas qui vient directement essayer de se placer, mais les deux Audi WRT sont passés devant avec Dries Van Thor. Attention à la Mercedes aussi, Black Falcon à côté de l'Audi Saint-Éloc. Dries Van Thor et Christophe Hormis. C'est un peu large pour l'Aston Martin. Ouais, et il est passé Maro Engel. Ce qui veut dire que Christophe Hormis a une touchette derrière. Ouais. Alors, Raphaël Marcello et David Perel. Ouais. Donc, décidément, hein, pour la Mercedes AKSP. Qui avait gagné à Zandvoort, c'est pas un bon week-end. Non, ici, hein. C'est un week-end à oublier, hein, ce week-end allemand. Et attention, avec une touchette là également pour la 563, je pense. Andrea Caldarelli qui a touché, me semble-t-il, Christophe Hormis. Très très mauvais départ de Christophe Horas qui était en première ligne et qui est seulement quatrième maintenant. Bon départ d'Andrea Caldarelli qui était septième et qui se retrouve cinquième, donc il a gagné deux places déjà. Moins bon départ de Marvin Kirchhofer sur l'Aston qui a perdu un rang.
De manière générale, la ligne extérieure a mal débuté. Ouais, il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Jack Oxworth hein, sur la Lexus du team Tekken Racing. C'est bien élancé. Alors que lui était sur la ligne extérieure pourtant, il était 12e. Et là, on va le retrouver quoi ? 8 ou 9e ? Bon départ aussi de Maro Engel. Hein. On a soif de revanche dans le clan Black Falcon, équipe qui évolue à domicile. Hein. Elle est située à 3 km du circuit ici. Nous rappelait le team manager Sean Paul Breslin. Merci, je ne suis pas sur son nom. Heureusement que vous êtes là. Je suis là pour vous soutenir. Ah, ça va. Avec Maro Engel là. Oui, on a un goût de revanche évidemment dans le clan Black Falcon. Parce que c'est pour des points. Pilotes, ça doit être dur. Ouais, quand on c'est voyait, sûr. Parce que c'est des points qui sont envolés. Bon, on a récupéré quand même grappillé deux petits points, mais deux petits points, c'est pas grand chose. Ils auraient pu gagner. Course, quand on voit vraiment la course, ils auraient pu gagner. Au moins un podium de toute façon. Ils étaient devant au moment où ils sont rentrés. Ils étaient devant les futurs vainqueurs. Donc c'est clair que dans ce cas-là, on a toujours un peu mal au ventre par la suite. On a vu Simon Gachet très attentif et qui doit se dire que Christophe Haas n'a pas pris le meilleur départ de sa vie pendant ce temps-là. Et ça, ce n'est pas une surprise. Rizvatour est déjà en train de creuser l'écart. Christophe Haas, lui, essaye de maintenir la pression sur Maro Engel. Et ils sont 3e et 4e. 3e place pour la Mercedes. 4e pour Christophe Haas qui vous emmène à bord. On a un bon départ aussi de Jim Pla sur la numéro 87, la Mercedes AKSP, hein, qui s'était lancé depuis la 13e place et qui maintenant est 8e. Ah oui, ça c'est beau, ça. Premier en proie qui plus est. Ah, c'est pas mal ça. 5 places de gagné. Ouais. Bravo Jim, le vice-champion de France GT, ex-pilote de monoplace et qui fait véritablement ses débuts pour une saison complète, en tout cas en GT3 cette année. Alors que Raffaele Marchello, lui évidemment, c'est un peu plus compliqué hein, déjà. Suite au contact tout à l'heure avec David Perel, hein, on est 28e et dernier, donc à 17 secondes de la tête. Donc ça va être compliqué hein, de récupérer des points sur cette course. Attendez, qu'il faudra c'est compliqué. En fait, hein. C'est compliqué aussi pour Frédéric Verwisch, hein, qui est parti pourtant 8e et qui est descendu 23e. Ah oui. Christian Engelhardt aussi, hein, 17e. Quelques pilotes, effectivement. Christian Engelhardt était un peu plus loin lui, sur la grille, hein. Il était 10e, mais il perd encore des places. Hein. Et on a notamment des pilotes qui sont devant au niveau du championnat. Hein. Raphaël et Marcello et Vincent Avril sont 4e. Enrico Bortolotti et Christian Engelhardt sont 3e. Ça va faire les affaires, tout cela. Là, de Marco Mappelli et Andrea Calderelli. Il y en a un autre aussi hein, qui a plutôt bien performé au départ, c'est Marcus Winkelhock sur l'Audi numéro 26 du Saint-Éloc Racing. Puisque Marcus Winkelhock s'était lancé depuis la 18e place. Et la numéro 26 est 10e. Oui, position de gagner. Marcus Winkelhock, avec qui on a parlé hier soir, qui me disait « Je ne comprends pas ce qui s'est passé en qualif. » Il dit « On était à l'arrêt. » Voilà, on dit « Je n'ai pas fait un mauvais tour, la voiture allait bien, enfin semblait bien aller. » Et il dit « La performance n'était pas là. » Alors effectivement, Marcus Winkelhock avec Steven Pallett, ils ont tous les deux la volonté de remonter. Le rythme en course 1 était bien meilleur hier hein, pour l'équipage de cette numéro 26. Mais évidemment, quand on part loin, il est difficile de vraiment aller signer un résultat de choix par la suite. C'était classé 18e hier, mais avec un meilleur tour en course. Allez, Raphaël et Marcello hein, qui empruntent la voie des stands. Ça, c'est pas bon signe. Le champion en titre, Raphaël et Marcello, avec Michael Meadows, champion de cette compétition sprint. On appelle désormais le Blancpain GT World Challenge Europe. Eh bien, Raphaël et Marcello et Vincent Abril, 4e du championnat. Ils ont marqué un point hier seulement avec une 9e position et ce sera probablement, à part un incroyable miracle, mais on croit bien au miracle, ce sera un 0 pointé aujourd'hui. Le championnat disparaît probablement pour eux aujourd'hui. C'est compliqué hein, Laurent, parce que et on a Vincent Abril qui est là, voilà, et avec Raphaël Marcello. On va revoir peut-être ce qu'il s'est passé. Regardez Raphaël Marcello, il est sur la 3e ligne de la grille de départ côté extérieur avec cette Mercedes rouge. Il s'est accroché avec David Perel. Et là, on a Maro Engel qui vient faire l'intérieur à Christophe Haas. Bien joué hein, de la part du pilote allemand. Parfait francophone d'ailleurs, Maro Engel. Et puis derrière, on a une touchette. C'est qu'il y a un premier contact avant. Hein. Vous avez vu le premier contact? On a juste vu qu'il partait. Mais... Et là, on a Jack Oxford qui est 9e. Il vient de doubler Jim Pla. Jack Oxford, c'est Jim Pla qui se fait attaquer maintenant par Marcus Winkelhock. Toujours leader en proie, hein. Ceci dit, Jim Pla qui fait équipe avec Mauro Ricci. Edric Van Tour,
comme il l'avait dit, est en train de creuser l'écart. Une 56-6 lors du tour précédent, une 56-5 cette fois. C'est un dixième plus vite que Christopher Mies, mais ça lui permet de faire passer son avance au-delà des deux secondes. Maro Engel est à 3 secondes, l'ex-pilote DTM notamment. Quatrième place pour Christopher Haas. Cinquième, Andrea Caldarelli. Et on se dirige de plus en plus, Laurent, au niveau du championnat, quand on voit ce qu'il s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui, vers un duel entre une Lamborghini et une Mercedes, alors que les Audi pourtant ont été dans l'ensemble assez performantes, hein, sur l'ensemble de l'année. Elles avaient signé 3 pole positions notamment. Elles sont montées 6 fois sur le podium, les Audi. Elles ont gagné 2 courses. Mais elles ont été plus. Elles se sont partagées quelque part les points. Là où dans le clan Lamborghini, ben, on peut compter sur un équipage très très régulier. Marco Mappelli, Andrea Caldarelli. Laurent, ce qu'on peut dire aussi. On a peut-être, et on va revoir un autre incident. Alors, que se passe-t-il? Oh oui, d'accord. En fait, il y a un contact entre David Perel et Frédéric Vervich. Et Raffaele Marcello se fait toucher par la suite. Ça a été une réaction en chaîne. Christopher Haas qui a dit « Je n'ai pas fait le travail parfait puisque je n'ai pas signé la pole. » Ça n'a pas été... très très bon départ, donc on n'a pas bien vu ce qui s'est passé, hein, pour Christopher Haas, mais il a perdu 2 places et on sait qu'ici sur Nürburgring il faut aller les rechercher, c'est compliqué évidemment, d'autant qu'on ne peut pas vraiment dire, Laurent, qu'il mette la pression sur Maro Engel, hein, pour l'instant Christopher Haas il est derrière, il suit le train, mais c'est compliqué. Hier, Simon Gachet nous a dit que en début de course, il avait souffert d'une pression de pneus qui n'était pas optimale. Il lui a fallu quelques tours pour sentir l'adhérence venir. Et puis après, le rythme était le même que les leaders. Mais entre-temps, il avait perdu plusieurs places. Est-ce que l'on aurait le même problème pour l'instant pour Christopher Haas? On a un très bon Andrea Bertolini aussi, hein, sur la Ferrari AF Corse, hein, qui est 11e. Voiture qui roule en Pro A. Quoi, l'expérience paye toujours. Hein. Oui, ça reste un sacré personnage. On a aperçu ici Christian Engelhardt qui essaie de remonter. Il est 15e, Christian Engelhardt. Dans le clan, grâce au Racing Team, il faut espérer un petit miracle là pour rester en lice pour le championnat. On rentre du côté de David Perel, hein, suite au contact avec Raphaël et Marcello qui, lui, n'est pas reparti. Ils avaient gagné hier en programme, hein, Renat Salikov et David Perel. Eh bien, ce ne sera pas une deuxième victoire aujourd'hui. Et effectivement, Raphaël et Marcello. Il y a eu Frédéric Vervich. Alors, où en est-il, Frédéric Vervich? Il est 21e pour l'instant. Mais Frédéric Vervich était lui aussi impliqué, hein, dans ce contact. Et c'est dommage pour Renat Salikov et David Perel qui jouent le titre face à Phil Keane et à Maguchi Hiroshi, le japonais et le britannique de l'équipe. Ils sont 3e pour le moment, hein, sur cette Lamborghini numéro 519, hein, qui est aux prises avec une autre Lamborghini, celle de Christian Engelhardt, décidément chez Grasse Racing Team et Orange One Team FFF. On est toujours à la lutte, même si ce coup-ci, c'est pas la 563 d'Andrea Caldarelli et Marco Mappelli. On les a à l'image d'ailleurs, c'est Lamborghini. C'est bloqué pour l'instant derrière Phil Keane, le multiple vice-champion en British GT, mais qui court toujours après une couronne dans le championnat britannique de grand tourisme. Ah, qui est pilote officiel, promu pilote officiel Lamborghini Squadra Corse cette année, Phil Keane. C'est-à-dire que comme ils ont de plus en plus d'équipes clientes chez Lamborghini, si on veut pouvoir fournir des pilotes pro et des pilotes officiels, on a dû un peu renforcer les rangs. Christian Engelhardt, lui, n'en fait plus partie, par contre, des pilotes officiels Lamborghini Squadra Corse, mais il est le pilote du Grasseur Racing Team. Il reste toujours très impliqué dans cette équipe, évidemment. Un début de course plutôt calme durant ces 11 premières minutes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'animer par la suite, loin de là. Ça avait été le cas hier aussi, d'ailleurs. On avait eu une première partie de course plutôt sage. On peut le présenter comme ça. Alors qu'on est reparti, hein, du côté de la Ferrari Rinaldi Racing de David Perel. Il y a quelques points à marquer, hein, de toute façon, puisqu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans la classe Pro-Am. Elle est quatrième pour le moment, hein, cette Ferrari. Donc on a 4 concurrents. Quatrième, ça fait toujours 7 points et demi, effectivement. Ça permettrait de rester en lice pour la couronne avant le rendez-vous très attendu de Budapest
Hungaroring, dans la banlieue de Budapest, la semaine prochaine. Deux rendez-vous back-to-back, comme disent les Anglais, qui se suivent vraiment directement. Du côté des équipes, ça va demander un peu de logistique hein, aussi, parce qu'il faudra directement reconfigurer les voitures, les préparer pour le rendez-vous suivant, espérer de ne pas avoir trop de dégâts ici. Pour vous aussi, hein, ça va demander un petit peu de préparation. Tout petit repos et puis on repart. Oui. C'est ça que je voulais dire. Par la suite, on aura encore pas mal d'aventures à vous proposer d'ici la fin de cette année avec le championnat France GT aussi, le FFSA GT sur le circuit de Manicourt. La finale de la Blancpain GT Series Endurance Cup à Barcelone. Et puis la finale du FFSA GT sur le circuit Paul Ricard, mi-octobre. En attendant, Marvin Kirchhofer est à l'image. Sixième position pour le pilote allemand. On vise un podium, hein, clairement, dans cette équipe Air Motorsport, mais un podium qui ne se dessine pas facilement pour l'instant. Et pendant ce temps-là, Dries Van Tour toujours en tête devant Christopher Mies, Maro Engel, Christopher Haas. Deux Audi, une Mercedes, une Audi, une Lamborghini avec Andrea Caldarelli, qui vous emmène d'ailleurs à bord, et puis une Aston Martin Vantage avec Marvin Kirchhofer. 7ème place et leader en Silver Cup. La numéro 10, l'Audi du Belgian Audi Club Team WRT d'Oscar Thunro et de Rick Brugers. Et on a toujours dans le top 10 hein, cette Lexus RCF GT3, la seule Lexus en piste, la voiture de TK Racing avec Jack Oxworth qui se maintient une très belle 8ème place pour le moment. C'est mieux qu'à Zandvoort. Hein, à Zandvoort, ouais, mais à Zandvoort, déjà la course 1 avait été bien. Bon, la course 2, il y avait un problème technique, mais la course 1 s'était plutôt bien passée pour une équipe hein, qui débute avec cette Lexus. En plus, on sait que c'est une voiture qui a été développée à la base par des pilotes pour des pilotes professionnels. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Il faut prendre faire une mise en main. Après, on a eu une participation au total 24 heures de Spa dans la classe AM. Et là, on revient gonflé à bloc hein, du côté de TK Racing. Et le début de course est vraiment bien. Avec une 8ème place devant la Mercedes de Jim Pla qui occupe toujours la tête de la classe Pro-Am. On va rentrer dans les points pour la première fois peut-être Aurélien Panis et Jack Oxworth. Ce serait pas mal. Ils avaient terminé 15ème de la course 1. Ouais, sachant que le but hein, de TK Racing hein, c'est de prendre de l'expérience pour l'année prochaine. Où l'objectif est bien de mettre deux Lexus en blanc page GT Series. Hein, donc sur un double programme qui combinerait sprint et endurance. Avec comme idée évidemment de faire une voiture en pro et une voiture pourquoi pas en Silver Cup. Mais pour ça, il faut évidemment boucler les budgets. C'est toujours, de la guerre c'est toujours automobile. Le même, hein. C'est toujours le même débat, évidemment, d'arriver à boucler les budgets pour présenter quelques voitures. Vite Antonio Liuzzi, le beau-frère d'Andrea Caldarelli. Ex-pilote de Formule 1, ex-pilote Super GT, ex-pilote en championnat du monde d'endurance, en Formule I, Vito Antonio Liuzzi, qui est là, qui apporte son expérience en coulisses pour l'instant. Alors pourquoi pas le retrouver un jour au volant, on l'espère. C'est probablement un pilote qui a la possibilité, hein, lui qui avait par le passé été notamment champion du monde de karting aussi, et à qui on prédisait le plus grand avenir en Formule 1. C'était un peu moins bien passé pour lui dans la catégorie reine, mais ça reste un sacré pilote à coup sûr. Tonio Liuzzi. Et en coach, en fait, il est là aussi comme coach de pas mal des jeunes pilotes qui sont engagés au sein de cette équipe pour rejoindre FFF Racing. Et qui vient avec 3 voitures. Et pour sa première année en Europe, c'est plutôt pas mal. Hein. Une équipe chinoise, mais qui a quand même des bases en Italie, Laurent. Oui, qui est basée d'ailleurs tout près de chez Lamborghini Squadra Corsec, un atelier qui jouxte le département compétition client de la marque italienne. La région de Bologne, alors. Équipe dirigée par Andrea Caldarelli, et donc le propriétaire est un chinois, d'où le pavillon chinois sur la voiture hein, qui est Fu Songyang. On a vu aussi dans le passé derrière le volant. Et c'est bien Andrea Caldarelli qui gère le quotidien quelque part de cette équipe, d'où la question d'ailleurs que lui avait posé John Watson hier en disant est-ce que ça vous fait plus plaisir de gagner en tant que pilote ou en tant que C'est aussi pour ça qu'Andrea Caldarelli a stoppé ses activités au Japon en Super GT hein, pour se concentrer pleinement sur cette équipe. C'est plus facile à gérer en Italie, alors que ces dernières années, Andrea Caldarelli a passé plus de temps en Asie qu'en Europe. Il semblerait qu'il ait aussi bien retrouvé ses marques en Italie et qu'il était heureux justement de revenir un peu dans son pays. Et là, on a Jack Oxworth, pilote officiel Lexus aux États-Unis. Jack Oxworth. Et qui a l'air un peu plus rapide même
que Oscar Tumro, le pilote colombien. Et puis Jim Pla, 9e et leader de la catégorie Pro Am pour l'instant. Il devance Marcus Winkelhock, Jim Pla. Puis on a Andrea Bertolini, 2e en Pro Am, qui est juste derrière avec la Ferrari AF Corse. Le class leader, c'est écrit sur votre écran, en tête donc de cette catégorie Pro Am. Pour cette équipe AKSP qui aura connu des hauts et des bas depuis le début de cette année. On espère tout de même aller accrocher le titre dans la Silver Cup. Alors le titre des équipes, à mon avis, ne devrait pas poser trop de soucis puisqu'on a deux voitures en Silver Cup très performantes. Hein, la numéro 89 de Nico Bastian et Thomas Neubauer et la 90 de Fabien Schiller et de Timur Bogislawski. Il faudra aussi voir du côté des pilotes, évidemment, aussi dans cette Silver Cup. On se souvient que les leaders hier, Nico Bastian et Timo Bogulavski, avaient perdu gros. Permettant ainsi à Mattia de revenir dans le cadre du championnat. Ah, ça pourrait être indécis jusqu'au bout aussi dans ces autres catégories. Il reste un peu plus de 7 minutes avant l'ouverture de la fenêtre pit stop et donc peut-être les premiers changements de pilote. Et vous voyez d'ailleurs que Marco Mappelli se prépare. Marco Mappelli qui n'est pas le plus bavard non plus, le plus exubérant des pilotes Lamborghini, qui est un pilote par contre qui fait son travail de manière absolument remarquable. Bavard, vous êtes oui. Fort, hein, si. Oui, Marco, si. Je le trouve toujours relativement discret, personnellement, Marco Mappelli. Ah, il est certainement un petit peu plus discret que Mirko Bortoletti, voilà. Non, mais c'était dans ce sens-là. Efficace par contre. Hein. Ouais, très efficace et en plus très sympa. Peut-être un peu plus introverti, mais... Tous les pilotes ont leur caractère et c'est là qu'ils vont chercher leur force. C'est ça qui est intéressant aussi, évidemment, quand on a l'occasion de les côtoyer, c'est de se rendre compte que certains ont l'air très calmes au premier abord et puis sont capables, effectivement, une fois qu'ils sont derrière le volant, de se surpasser. On pense à un garçon comme Christopher Haas, par exemple, qu'on a l'image ici, qui avait reçu plutôt calme et plutôt discret dans un paddock, et puis de temps en temps, capable du meilleur, Christopher Haas. Même sur une trottinette électrique, comme on a pu le voir hier. Vous leur donnez n'importe quoi, ils font la course, hein, ces pilotes. Un peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pilotes de course. Ils ont ce goût de la compétition. Alors, est-ce que vous croyez que Christopher Haas et Andrea Caldarelli tournent dans les mêmes chronos? Trois tours successifs et trois fois dans le même dixième. Andrea Caldarelli qui ne parvient pas à se rapprocher de Christopher Haas et Christopher Haas qui continue de perdre un peu de terrain par rapport à Maro Engel. Qui lui-même, par contre, reste bien dans le sillage de Christopher Mies. Et ces deux-là sont à 3 secondes du leader Dries Van Thor. Voici la 90 à l'image. Timur Bogislawski, le pilote russe, 2e actuellement de la Silver Cup. Ouais, qui fait un petit peu derrière lui. Ouais, bouchonne un petit peu les pilotes qui sont derrière lui. Hein. Jeune pilote russe d'ailleurs. Et on a derrière, on a Phil Keane. Derrière Timur Bogislawski, on a Christian Engelhardt, Hugo de Sadeler et Dorian Boccolacci. Donc c'est la première apparition en Blancpain GT Series et même en GT3. Peut-être pas la dernière. Ah ben, ce ne sera certainement pas la dernière puisque Fred Talamy nous disait qu'il serait la semaine prochaine à Budapest, semble-t-il, et qu'il pourra, puisqu'il y a une journée d'essai le jeudi à Budapest, il pourra accumuler les kilomètres qui lui manquent un peu pour l'instant en volant de ce type de voiture. Alors même si on vient du championnat FIA Formule 2 pour Dorian Boccolacci, quand on se retrouve en GT3, ben, c'est un autre monde, hein, évidemment. Ce sont des voitures beaucoup plus lourdes et qui ont moins d'appui aérodynamique malgré tout, même si elles en tombent beaucoup, il y a moins d'appui que sur une monoplace, le point, on l'a dit, qui est un des facteurs clés, l'ABS et l'antipatinage. Ouais, et puis vous faites face aussi à une balance de performance avec un équilibre entre les voitures. Donc évidemment, au niveau du trafic, c'est un petit peu différent parce que chaque voiture a ses avantages et ses propres caractéristiques en fonction des circuits et en fonction des virages. Donc évidemment, c'est un nouvel apprentissage pour Dorian Boccolacci, mais on se fait pas trop de soucis pour lui. Hein. On sait qu'il va... Il va apprendre très vite. En plus, au contact de Stéphane Ortelli, il devra apprendre encore plus vite. Oui, c'est sûr. Stéphane Ortelli qui est un peu le coach pour Dorian Boccolacci, qui avait été vice-champion de la Formule Renault Eurocup par le passé. On l'a vu en GP3. On l'a vu en FIA Formula 2 au début de cette année, également avec les équipes Campos Racing et Trident. C'est sûr que
Et bien comme pas mal de jeunes pilotes, hein, Dorian qui a 20 ans et fêtera ses 21 ans dans une dizaine de jours. Mais pour pas mal de jeunes pilotes, le GT pourrait représenter l'avenir, évidemment, la possibilité d'être engagé par un constructeur, de devenir pilote professionnel, payé pour vivre de sa passion, c'est quand même pas mal évidemment. Et c'est l'objectif de Dorian Boccolacci. Il s'en sort finalement pas mal, hein, pour une première en GT. Alors vous allez dire, il est seulement 17e. Ok, d'accord, mais il a face à lui tous des spécialistes de cette catégorie GT3 qui ont eu l'occasion de beaucoup rouler durant toute l'année, qui ont bien les voitures en main. C'est vraiment un monde tout à fait différent. Il faut bien s'en rendre compte. Et quand on a un garçon comme celui-là, Andrea Caldarelli par exemple, face à soi, forcément, c'est très différent. Et pendant ce temps-là, Timur Bogubavski, lui, continue de fermer toutes les portes. Le pilote russe, un beau bébé, hein, Timur Bogubavski, c'est un grand format. Ouais, on a vu dès le début de saison, hein, Timur Bogubavski, qui nous vient du LMP3. Il était très, très rapide, hein, dès le début de saison dans cette Mercedes AMG GT3. Voiture qui passe pas inaperçue au niveau de sa livrée. Alors qu'on essaie de trouver l'ouverture, hein, pour Filkin. Ah, c'est compliqué, ça ne passera pas. Il ferme bien la porte, hein, Timur Bogubavski, pour l'instant. Attention, et qui pourra profiter de cette extra. Il va rester derrière. Pour l'instant, en tout cas, il reste effectivement un peu derrière Christian Engelhardt, mais ça pourrait évoluer. Est-ce qu'on peut venir prendre l'intérieur? Non, pas dans le virage 3. Derrière, on a Hugo de Sadeleer. D'autres qui, comme Timur Bogubavski, nous vient du prototype, hein, lui qui est notamment monté deux fois sur le podium des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2, qui roule ici avec cette Aston de l'équipe Air Motorsport. Et puis on a derrière Jimmy Green, le pilote Audi Sport en DTM, et Dorian Boccolacci, on l'a dit. Diego Menchaca aussi, le pilote mexicain. Thomas Nevor, le français numéro 89, qui est dans cette bagarre également. Frédéric Burwich, qui est remonté 21e après l'incident du premier tour. Et Clement Schmidt, 22e. Un peu en retrait, on a Shea Davis qui ne suit pas vraiment le rythme. Pilote australien. C'est un petit peu compliqué, hein, pour cette Audi numéro 17. Hein, de... Shea Davis, c'est du jeune Tom Gamble, 17 ans seulement, hein, Tom Gamble. Et Christian Engelhardt. Lui aussi, c'était compliqué pour lui, hein, sa séance qualificative. 10e, hier en course, on l'a vu perdre le leadership face à Andrea Caldarelli. Christian Engelhardt qui, contrairement à Mirko Bortolotti, est capable, enfin tout comme Mirko Bortolotti est capable de faire des coups d'éclat, mais peut-être moins régulier que l'Italien. L'Italien, on a l'impression qu'il est tout le temps là, quelles que soient les conditions. L'expérience entre les deux n'est pas la même non plus, hein. On a un pilote officiel qui roule beaucoup, évidemment, Mirko Bortolotti. Et puis là, Mirko Bortolotti, il a une Lamborghini Huracan GT3 qui a été un petit peu développée autour de lui. Hein. C'était un petit peu lui le maître d'œuvre, hein, de développement de cette Lamborghini Huracan GT3, hein, qui dispose d'une évolution cette année. Tout comme l'Audi d'ailleurs, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Et Mercedes, on attend une évolution pour l'an prochain du côté de Mercedes. Est-ce que ça permettra... Elle a déjà roulé en compétition cette année, hein, cette Mercedes AMG GT3 Evo. Qui ne sera pas une révolution, hein, clairement. Non, c'est pas une révolution et ce ne sera pas une voiture pour aller plus vite. Hein. C'est une voiture qui devrait être un petit peu plus fiable et un petit peu plus facile à piloter, même si niveau fiabilité, il n'y a pas grand chose à dire pour cette Mercedes. Mais on va améliorer quelques parties. Notamment au niveau du freinage, ouais, je pense. Le refroidissement des freins notamment. Un petit peu au niveau de l'aéro, on sait que c'est une voiture qui pêche un petit peu par sa vitesse, par sa Vmax. Pendant ce temps-là, Dries Van Tour ne se pose aucune question. Le pilote du Belgian Audi Club Team WRT continue de creuser l'écart, 4 secondes d'avance sur son équipier Christophe Hormis. Le scénario idéal tel qu'il était décrit au micro de John Watson tout à l'heure est en train de se réaliser. Et Laurent, on est rentré dans la fenêtre pit stop, donc puisqu'il y a plus de 25 minutes qui sont écoulées. On laisse Dries Van Tour en piste pour l'instant. Que va-t-on faire du côté de Christopher Mills? On laisse en piste, Marengel rentre. On va essayer l'undercut, comme on dit en anglais, et rentre également Andrea Caldarelli, qui va passer le relais à Marco Mappelli. Donc Marengel, ce sera Lucas Stolz qui va le relayer. Marco Mappelli va relayer, lui, Andrea Caldarelli. Des stratégies un peu différentes et donc des arrêts très très tôt pour ces
voiture numéro 4. On espère que ça se passera mieux cette fois pour la numéro 4. Ça ne peut pas être pire qu'hier de toute façon. Et pour la 563. Et rentré également Oscar Tunro, le pilote colombien qui va être relayé en Silver Cup. Le leader à Silver Cup va être relayé par Rick Brugger. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a moins de monde dans les stands hein, au moment où la numéro 4 change de pilote. C'est peut-être pour ça qu'on l'a fait rentrer maintenant. On s'est dit, bon, c'est moins risqué. Voilà, on a vu Andrea Caldarelli sortir de la voiture. Marco Mappelli qui va s'engouffrer. Et pendant ce temps-là, dans le clan Audi. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé là pour Thomas de Boer sur la 89 qui aurait peut-être bien rentré, loupé pardon, sa rentrée au stand, Thomas de Boer. On a vu faire une marche arrière, non? C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Pilote qui avait gagné la première course du GT World Challenge Europe. On voit ici Timur Bogulavski, quand je vous disais que c'était un beau bébé, qui va être relayé par Fabien Schiller sur la numéro 90. Et qui repart juste devant la Lamborghini du Grasse Racing Team et juste devant l'Aston Martin Vantage de Air Motorsport, piloté par Ricky Collard. Non, je pense que c'est l'autre. Ah non, c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre. C'est Arvenio. Oui, exactement, parce que Marvin Kirchhoffer, lui, est toujours en piste. On repart aussi hein, du côté de la numéro 89 avec Nico Bastian. Là par contre on a perdu beaucoup 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 de temps hein, sur cette 89. Les leaders du championnat Silver qui vivent un rendez-vous du Nürburgring très compliqué après leurs ennuis d'hier. Et l'arrêt de Christopher Mies à l'instant, l'arrêt également de Christopher Haas. On a peur de se faire doubler par des concurrents qui sont repartis avec des pneus neufs hein. C'est bien ça la clé évidemment. Que ce soit dans le clan Black Falcon ou dans le clan du Orange One FFF Racing, si on repart avec des pneus neufs durant les 1 ou 2 premiers tours, on peut aller gagner une seconde au tour, une seconde et demie peut-être, ce qui peut permettre de faire la différence. L'arrêt de Jacob Swartz. Ouais, on rentre aussi hein, du côté de la Lexus, alors qu'on était resté en piste, hein, du côté de Marvin Kirchhoffer. Alors, on va voir si Lucas Stolz, qui a dû repartir le couteau entre les dents, hein, Lucas Stolz sans aucun doute, après son arrêt au stand. Par contre, on a eu un arrêt très très moyen dans le clan Black Falcon. 57 secondes entre l'entrée et la sortie de la pit lane, Laurent, contre 51 à Marco Mappelli et Andrea Caldarelli. Ah, j'ai l'impression que Black Falcon, on aura pêché dans la pit lane durant tout le week-end. Parce qu'à quoi bon essayer de gagner une seconde lors du tour de relance avec des pneus neufs si on se retrouve. Et d'ailleurs, ils sont derrière. Hein. Ils sont derrière Marco Mappelli. On les a bien ici à l'image. Alors, on a l'arrêt d'autres voitures et ils vont repartir derrière Simon Gachet. On a perdu une place finalement dans le cas de Maro Engel et Lucas Stolz. Et ça veut dire qu'au niveau du championnat, ils sont derrière leur rivaux direct aussi. Marco Mappelli et Andrea Caldarelli. Voilà, numéro 10 qui repart maintenant. Enfin non, qui est reparti, celle d'Oscar Tunro et de Rick Brugers. 6 secondes de perdu dans la voie des stands. C'est énorme pour cette équipe Black Falcon. Alors est-ce que cette fois on a eu peur de relâcher la voiture parce qu'il y en a d'autres qui arrivaient? Vu qu'elle s'est arrêtée, il y a certainement peu de chance. Idriss Van Tor, lui, reste en piste. Continue d'enchaîner les tours. Ceci dit, il est toujours à moins d'une seconde de son meilleur tour en course. 1.57.1 lors du tour précédent. On est en 1.56.4 pour le meilleur tour en course. Et puis le dernier tour, 1.57.1 aussi. C'est un métronome. Idriss Van Tor, non seulement il est capable d'aller très vite, mais en plus de manière extrêmement régulière. L'arrêt maintenant de la 76, qui est donc la voiture de Marvin Kirchhoffer, qui va être relayée par Ricky Collard. Est-ce qu'en prolongeant le relais, on a pu, dans le clan Air Motorsport, est-ce que l'on peut espérer faire mieux avec cet Aston Martin Vantage? Présentor toujours à l'attaque. Présentor qui avait roulé ici, et si je ne me trompe pas d'ailleurs, je pense qu'il avait gagné dans le cadre de l'ADAC GT Master, mais sur la version courte du circuit. Ici, on utilise la version la plus longue, de quoi faire passer la distance totale à plus de 5 km, avec notamment toute la descente et l'arrêt d'Orion Boccolacci. Stéphane Ortelli pour le relayer d'ici quelques instants. On a passé le cap de la mi-course. 30 minutes et 30 secondes bientôt. Voilà, c'est fait. Et regardez, la numéro 4. Ah, ils ont attendu
Ils ont attendu cette fois, c'est ce que je vous disais, ils ont eu peur peut-être de... Mais ils ont attendu longtemps, hein. 6 secondes de perdu avec 3 voitures qui rentrent en même temps. Pourtant c'était un petit peu plus calme qu'hier. Oui, hein. Vous l'avez dit en plus, ouais. Vous l'avez dit, ils sont rentrés, ça va être plus calme. Là on a eu un peu peur peut-être de la relâcher trop tôt du coup. Et on a perdu 6 secondes. Et on rentre maintenant pour Dries Van Thor. La difficulté aussi, Laurent, après c'est un choix hein, de se retrouver à l'avant ou à l'arrière dans la pit lane. La difficulté, évidemment, quand on est à l'avant, ben, on a ceux qui rentrent derrière soi. Quand on est au bout de la pit lane et qu'on est en tête, on a moins de chance c'est sûr. D'être gêné a priori. Et c'est clairement dans la voie des stands que Maroen Gull et Lucas Stoll seront perdus. De gros points durant ce week-end. L'arrêt maintenant, voilà, Ezequiel Pérez Campagne, le barbu désormais du paddock, qui va prendre le relais de Dries Van Thor. Est-ce que l'Argentin va pouvoir repartir devant ceux qui se sont arrêtés? Alors on va assez rapidement le voir, évidemment, et il doit repartir devant cette Audi numéro 2, voilà, celle de Charles Wirtz, où en plus d'un message d'encouragement, enfin de... L'essai pour Antoine Hubert, on a aussi un message d'encouragement pour Enzo Hid avec le Forza Enzo et le numéro 33. Voilà, ça repart pour Ezequiel Pérez Campagne. Et on pourrait se diriger vers un doublé pour les Audi du team WRT. Dries Van Thor avait déjà dit après sa pole position, celle-là, comme je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir gagner, en tout cas la pole, on ne pourra pas me la reprendre. Celle-là, je la dédie à Enzo et je voudrais lui dire que je pense à lui, Enzo Hid, qui avait été champion de la Blancpain GT Series Sprint Cup en 2016 avec l'équipe WRT, qui a été victime d'un accident chez lui, touché à la tête. Il a été plongé pendant plusieurs semaines dans le coma. Il serait aujourd'hui réveillé, mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. C'était que on peut croiser les doigts pour lui, et si on lui dit que WRT a gagné, ça va peut-être lui donner un petit boost à Enzo Hid, on l'espère en tout cas. Et là, dans le clan du Belgian Audi Club Team WRT, on pourrait vraiment réaliser le score parfait. Est-ce que ça va suffire pour se relancer dans les championnats? Alors, au niveau du championnat équipe, WRT est seulement 5e pour l'instant, avec un retard d'un peu moins de 20 points, 18 points et demi pour être tout à fait précis. Ça pourrait leur permettre ici de marquer quelques unités importantes avant le rendez-vous de Budapest, qui a toujours bien réussi par le passé à WRT. Bien notamment une démonstration de Dries Van Thor là-bas il y a 2 ans avec Marcel Fesser, où il avait été absolument stratosphérique. Donc on verra effectivement si la semaine prochaine Dries Van Thor peut confirmer. Et dans ce cas-là, le fait de ne pas avoir inversé les positions, Laurent, on en avait parlé dans le résumé de la première course, le fait de ne pas avoir inversé la position hier, on espère que ça ne va pas leur coûter trop cher, hein, parce que Dries Van Thor dans le classement des pilotes pourrait encore avoir toutes ses chances. En attendant, la lutte ici avec Lucas Stolz, qui lui dans le classement des pilotes voudrait bien aller doubler Marco Mappelli. Ces deux-là sont premier et deuxième du classement pour l'instant. 6 points les séparent. Et un écart qui pourrait grandir évidemment si on reste dans cet ordre avec les leaders du championnat devant leur second. Lucas Stolz le sait mieux que quiconque. Lui qui avait signé une pole position ici sur ce circuit du Nürburgring il y a 1 an lorsqu'il courait en Silver Cup avec Hubert Haupt. Il était venu en renfort d'Hubert Haupt. Bon, depuis lors, Lucas Stolz n'est plus Silver. Hein. Il est pilote officiel Mercedes AMG et c'est un pilote... est tout à fait logiquement classé Gold. Ouais, c'est l'un des pilotes qu'on a vu le plus en piste l'année dernière, hein, sur des courses d'endurance, Lucas Stolz. On a mis un petit peu partout, hein, en Europe, aux États-Unis, en Asie. C'est un petit peu l'homme de tous les combats, hein, Lucas Stolz. Ouais, mais qui a prouvé que la confiance passée en lui par Mercedes était vraiment méritée. Exactement, et pilote qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et vous savez qui a réalisé une bonne opération, Laurent? C'est cet Aston Air Motorsport, hein, Ricky Collard, qui est devant 3... Simon Gachet. Ouais. Donc ça veut dire que l'Aston, il parlait d'un premier podium, Marvin Kirchhoffer, on pourrait aller le chercher aujourd'hui. Normalement, les troisièmes, hein, cette numéro 76 du team Air Motorsport, qu'on avait déjà vu un petit peu à la fête à Zandvoort, hein, lors du rendez-vous précédent. Oui, on progresse clairement dans le clan Air Motorsport. Ça fait plaisir à voir, évidemment, de voir une marque différente et puis une équipe qui est quand même relativement jeune, hein, encore dans le cadre de la Blancpain GT Series, qui a déjà gagné l'an dernier en endurance
C'était à Silverstone avec l'ancien Aston Martin Vantage. On se souvient de la victoire et de la pole position d'un certain Mathieu Vaxivière notamment. Qui est passé tout près aussi d'une victoire en début d'année avec toujours l'ancien modèle aux 12 heures de Bathurst. Il avait dû se contenter d'un podium mais pas de la victoire. On a ravitaillé, enfin on a changé de pilote aussi hein, dans les équipages pro hein, qui étaient en haut du classement. Mororichi, Andrea Bertolini et Hiroshi Hamaguchi sont maintenant en piste. Donc on devrait avoir un classement évidemment au prochain tour qui va changer avec Ezequiel Pérez Campan qui va occuper la tête devant Charles Wirtz, Ricky Collard, Simon Gachet, Marco Mappelli et Lucas Stolz. Alors pour la tête et pour les deux premières places, je pense que le suspense, oui, là, contrairement à hier, est pratiquement tué. Ça va être compliqué. Parce qu'on a Ezequiel Pérez Campagne qui est bien en tête. Il tourne en 1.58.6. Il a souvent bien fonctionné ici, Ezequiel Pérez Campagne, sur ce circuit de Nürburgring. Et puis en plus, il a un équipier derrière lui avec Charles Wirtz. Je doute que l'on autorise Charles Wirtz d'aller attaquer Ezequiel Pérez Campagne et de compromettre un doublé WRT. Maintenant, bon, on va voir. Hein, Charles Wirtz qui est en train de revenir, ceci dit. Au moment où je vous en parle, il a quand même repris 1.03 à l'Argentin. Hein. Le jeune pilote belge de 18 ans qui est en train de revenir très très vite pour l'instant. Lui qui dispute sa première année, Charles Wirtz, dans le cadre de, enfin, en GT3. Il disputait l'an dernier le championnat allemand de Formule 4. Et regardez l'inquiétude de Dries Van Thor. Ezequiel Pérez Campagne qui, depuis le début de cette année, ne parvient pas à afficher le rythme qu'on lui connaissait par le passé sur les Lamborghini Grasseur. Il y a en plus eu cet accident malheureux, évidemment, sur le circuit Paul Ricard, pour lequel il n'avait pas grand chose à se reprocher, mais il est en train de revenir, Charles Wirtz. Et pas un peu, il est clairement plus rapide. Charles Wirtz, vainqueur à Misano avec Dries Van Thor, qui était devenu d'ailleurs en Italie le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Blancpain GT Series à 18 ans. Il avait alors battu le record de précocité de son équipier du jour, qui était Dries Van Thor, qui avait été à 19 ans, je pense, le plus jeune vainqueur à Budapest il y a 2 ans. Là, il revient très très vite hein. Et attention parce que Ricky Collard est pour l'instant le plus rapide en piste. Ricky Collard qui vient de signer son meilleur chrono personnel en 1.56.6 et qui n'est qu'à 6 secondes derrière. C'est peut-être pas fini, Laurent, c'est peut-être pas fini du tout. Dernier 2 secondes d'écart au dernier tour avec un Charles Wirtz qui a encore repris plusieurs dixièmes à Ezequiel Pérez Campagne et Ricky Collard qui vient de s'offrir le meilleur tour en course en 1.56.4. Il a repris 1.07 à Ezequiel Pérez Campagne, Ricky Collard. Le jeune Britannique que l'on a ici à l'image, à 76, d'Aston Martin Vantage Air Motorsport, qui pourrait s'offrir non seulement un premier podium, mais pourquoi pas une première victoire finalement. Et en vitesse de pointe, je pense que cette Aston est un peu plus rapide que les Audi. Alors on va attendre de le confirmer. Quand on regarde ici au niveau de la vitesse maximale, oui, 225 pour Ricky Collard contre 223 aux deux Audi. Bon, 2 km/h, ça fait pas une grande différence, mais avec l'aspiration en plus, ça pourrait peut-être permettre à Ricky Collard de tenter quelque chose. Il reste 21 minutes dans cette épreuve. On a toujours la Lexus hein, dans le top 10 avec Aurélien Panis maintenant au volant de cette numéro 23 qui occupe toujours la 8e place devant Steven Palette sur l'Audi numéro 26 de Saint-Eloc Racing. Alors que Mirko Bortolotti, lui, est aux portes du top 10, hein, en dehors des points pour le moment pour cette numéro 63. Et on ne peut pas se permettre le moindre contretemps hein, si on veut jouer le titre. Christian Engelhardt a loupé sa séance qualificative hier, mais on voit où on en est aujourd'hui pour la Lambo numéro 63 du Grasse Racing Team. On voit Ezequiel Pérez Campagne qui n'est peut-être pas tout à fait dans le rythme attendu sur l'Audi numéro 1. L'homogénéité de l'équipage, Laurent, ça reste vraiment l'une des clés hein, dans cette Blancpain GT Series. Ben on le voit avec les leaders des championnats. Deux pilotes officiels Lamborghini pour Orange One FFF avec Marco Mappelli et Andrea Caldarelli. Deux pilotes officiels Mercedes avec Lucas Stolz et Mark Engel. Ils sont là tout le temps. Quelles que soient les séances qualificatives, quel que soit le moment du week-end, ils sont là tout le temps. On a une voiture qui a touché là. C'est une des Audi du Phoenix Racing. Ouais, celle de Fred Verbisch et de Finlay Hutchison. Peut-être le contact du départ. Hein. C'est tout à fait possible. Il est où Finlay Hutchison, qui est actuellement volé, les 20e. Ouais. Avec Mororici, qui est leader de la catégorie Pro-Am, devant Louis McHill, c'est devant le pilote japonais Hiroshi Hamaguchi.
Et attention à Morricchi qui est attaqué pour l'instant par le jeune Tom Gamble. Le jeune pilote britannique Tom Gamble. Qui a été l'une des bonnes surprises de temps en temps. Mais là aussi, hein, l'équipage, il faut reconnaître que Shea Davis n'est pas au niveau de Tom Gamble depuis le début de cette année. Il n'a pas trouvé le même rythme. D'où l'importance, effectivement, d'avoir un équipage tout à fait homogène. C'est un champion en Ginetta, lui. On a la lutte aussi hein, pour le leadership en proie entre Morricchi, Hiroshi Yamaguchi et on a Louis Makils qui est un petit peu derrière. On a entre les deux la Mercedes, une autre Mercedes AKSP, hein, la numéro 89, celle de Nico Bastian, celle qu'on a à l'image. Qui avait raté son retour dans la voie des stands tout à l'heure. Nico Bastian qui devrait a priori passer les pilotes dits amateurs de la catégorie programme. Et puis on aura la lutte à 3, effectivement, bien vu Laurent, avec Morricchi, votre ami japonais Hiroshi Yamaguchi, et en troisième position, Louis Makils, le pilote de la Ferrari. Nico Bastian qui attaque Hiroshi Yamaguchi, qui va passer sans trop de soucis là, dans la descente. Et Morricchi ne devrait pas opposer de résistance à Nico Bastian, on a deux voitures du même team. Et pour Nico Bastian, l'objectif maintenant, c'est d'aller rechercher l'Audi de Tom Gamble qui est devant parce qu'elle est engagée en Silver Cup. Mais également. Ça se resserre hein, pour la tête de course hein, entre Ezequiel Pérez-Campan et Charles Wirtz. Je n'ose pas imaginer la tête de Dries Van Thor s'il ne gagne pas aujourd'hui. Parce que lui, le job, il l'a plus que fait. Dries Van Thor, et ça a été le cas de manière assez régulière d'ailleurs depuis le début de cette saison. Mais voilà, hein, c'est le propre aussi du customer racing, du compétition client, c'est qu'on a parfois un pilote officiel de la marque associé à un pilote qui amène des partenaires, qui finance en partie le programme. Et Ricky Collard est revenu à 2 secondes 1 du leader. Christopher Mies est inquiet lui aussi. Alors est-ce qu'on va autoriser Charles Wirtz à doubler Ezequiel Pérez-Campagne? Je pense que dans le clan WRT, on va pas pouvoir se permettre de trop attendre hein, parce que Ricky Collard revient derrière. Il y a l'Aston Martin derrière en plus hein, qui est très rapide hein, la voiture de Ricky Collard. Donc de toute façon. Et regardez, le chrono ne ment pas Laurent. L'Audi de Charles Wirtz c'est clairement plus rapide hein, que la voiture sur la numéro 1. 6 dixièmes, 7 dixièmes, presque 6 dixièmes encore. Charles Wirtz beaucoup, beaucoup plus rapide qu'Ezequiel Pérez-Campagne pour l'instant. Et l'inquiétude dans le clan WRT, on a vu Yves Wirtz hein, qui est l'un des patrons de l'équipe, le papa de Charles aussi. Ce qui est remarquable avec Charles, il faut le signaler parce que on a eu l'occasion de parler avec plusieurs membres du team WRT qui disent jamais on a l'impression que c'est le fils du patron. Au contraire, il est le premier à prendre un chiffon, à venir nettoyer la voiture, à venir encourager les mécanos, à leur proposer une petite boisson, une manière de le faire. Il sait mettre l'équipe autour de lui. Les mécanos qui disent pour lui, on est prêt à passer des nuits blanches sans aucun problème parce que le garçon en vaut la peine. Au niveau de la pointe de vitesse aussi, hein, on rappellera quand même que c'est sa première année en GT, Charles Wirtz, et c'est la révélation, je trouve, de ce début de championnat. Sa victoire à Misano ne devait rien au hasard. Il pourrait peut-être aller en chercher une deuxième ici, à condition de doubler Ezequiel Pérez-Campagne et de résister surtout à un Ricky Collard qui nous disait, souvenez-vous hein, ce qu'il a dit au micro de John Watson sur la grille, il a dit « Je pense que dans cette course, on pourrait vous surprendre. » Yves Wirtz qui dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va laisser ? Est-ce qu'on va devoir laisser passer ? Il va falloir faire quelque chose contre Ricky Collard. » Ah, l'attaque de Ricky Collard directement à l'intérieur. Bien vu de la part de Charles Wirtz. Oui, Charles Wirtz qui vient, qui touche Ezequiel Pérez-Campagne. Et Ricky Collard qui passe devant, non. L'accrochage entre les deux Audi. Et oh là là, une crevaison et c'est fini. C'est fini pour Ezequiel Pérez-Campagne. Oh, l'accrochage qu'il ne fallait pas, évidemment, dans le clan du Belgian Audi Club Team WRT. Et Charles Wirtz, et là c'est peut-être, on va revoir l'image, c'est peut-être, et Charles Wirtz est au ralenti également. Les deux Audi WRT qui perdent suite à un contact alors qu'elles étaient première et deuxième, qui perdent tout le bénéfice d'un début de course absolument parfait. Et Marvin qui est chauffeur qui n'en revient pas et qui serre le point. Ah mais oui, il peut serrer le point. Il profite du contact. Hein. Et là, il a voulu défendre sa position, Charles Wirtz. C'est peut-être une erreur de jeunesse, un manque d'expérience. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il n'a que 18 ans et c'est sa première année en GT. En voulant défendre sa position, il a reculé son point de freinage. Et à partir de là, il ne pouvait plus éviter Ezequiel Pérez-Campagne qui prenait sa trajectoire normale. Oh là 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 là. Et ça fait les affaires aussi de Simon Gachet hein, et de Christopher Haas qui récupère la deuxième place et de Marco Mappelli et Andrea Caldarelli troisième.
En tout cas pour WRT, qui avait gagné, je pense, un championnat tous les ans là, dans le championnat sprint, c'est terminé. Hein. C'est, mais c'est même pas non, mais la saison. Oui, la saison est compliquée de manière générale. Mais je pense que le championnat sprint est la réussite d'Ezequiel Pérez Campagne. On va revoir. Regardez, en fait, il veut défendre sa position, Charles Ouellet. Il freine un peu plus tard en surveillant Ricky Collard. Et là, c'est trop tard, il ne peut plus rien faire. Et Ezequiel Pérez Campagne, qui n'a pas beaucoup regardé dans son rétro non plus. Hein. Laurent, parce que s'il laisse passer Charles Ouellet, il peut croiser la trajectoire, il peut revenir. Et regardez Marvin Kershover qui dit mais merci les gars, merci, on n'en demandait pas tant. Incroyable évidemment retournement. Il est à côté hein, Charles Ouellet d'Ezequiel Pérez Campagne. Alors il vient de loin mais il est quand même à côté. Oh là là, le debriefing dans le clan WRT aujourd'hui risque d'être très très compliqué. Et Vincent Wolff qui est présent, on sait que ça n'a pas toujours été le cas cette année avec les obligations de WRT, notamment en DTM. Vincent Wolff qui est présent ici, on a l'image de l'Audi numéro 1 arrêté là-bas dans la Mercedes Arena. Et où est la numéro 2, Laurent? Il est reparti, il est 10e, Charles Ouellet, 11e maintenant. Non, ouais, en fait, il continue de descendre, hein. Il est là, voilà. Il rentre. Oh là 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 là. Déception, cruelle déception. Pour le Belgian Audi Club Team WRT, avec le président du Belgian Audi Club, Charles-Henri Bonnet, qui s'en va vers d'autres fonctions professionnelles à la fin de ce week-end, enfin, qui est déjà parti, qui plus est, et qui espérait avoir une victoire. Vincent Vos l'avait dit, on espère pouvoir briller pour Enzo Hyde, pour Charles-Henri Bonnet. Voilà, on va changer le pneu arrière. Alors, ça fait ce contact, ça fait aussi les affaires de la Lexus, hein, qui est 5e, la voiture de TK Racing. Ce serait vraiment un très très beau résultat pour l'équipe française d'Aurélien, qui fait rouler Aurélien Panis et Jack Oxworth. Donc elle était bien là hein, depuis le début. Hein, cette Lexus a été dans le top 8e. C'est sûr qu'ils vont peut-être pouvoir profiter un peu des incidents ici. Mais, Et la meilleure Audi pour l'instant de WRT, c'est la numéro 10, hein, celle de Rick Brokers, qui pour le moment est 6e. Alors que la numéro 17 de Tom Gamble est bien plus loin, elle est 18e. Je n'en reviens pas hein, quand même, je dois vous le dire, de ce contact ô combien regrettable évidemment. Mais voilà, ça fait partie du jeu tout simplement. Et le Belgian Audi Club Team WRT qui, pour la première fois, depuis que le championnat sprint a été lancé en 2013, ne remportera aucun titre, ni celui des équipes, ni celui des pilotes. Alors peut-être pour les équipes qu'il y aura encore un petit espoir mathématique, mais sincèrement je n'y crois guère. Voilà Charles Ouellet qui sort de la voiture et qui doit être terriblement déçu. Votre avis Laurent, il y a une erreur, hein. De toute façon on ne peut pas s'accrocher avec son équipier. Ezequiel Pérez Campagne. Oui, il n'a pas trop regardé, comme vous l'avez précisé, mais bon. Après, je pense que Ezequiel Pérez Campagne. Ouais, je pense qu'il s'y attendait pas forcément. Non, on est d'accord. Il vient vraiment de très très loin, Charles Ouellet. Mais par contre, si Ezequiel Pérez Campagne regarde un peu plus dans son rétro, il peut le laisser passer et recroiser. Mais bon. D'où le débriefing assez compliqué, je pense, effectivement. Et puis le cadeau surtout offert. Alors, une victoire à Aston Martin en sprint. Laurent. Ça date. Est-ce que c'est arrivé déjà? Est-ce que c'est déjà arrivé? On a déjà eu rarement d'Aston Martin en pro. Hein. Eh bien, on va devoir fouiller dans les statistiques. Mais je pense effectivement que ce serait une première. On va regarder ici, regardez. Ricky Collard qui vient mettre la pression sur Charles Ouellet qui vient ici à l'intérieur. Oh là 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 là. Et Ezequiel Pérez Campagne qui se rabat quand même assez fort, je trouve, ouais, sincèrement. Mais bon, mais voilà. Après, il prend son virage. Ouais, regardez. Et voilà. Et Brice Van Tour. Il a compris. Et je vous disais, imaginez la tête de Brice Van Tour s'il ne gagne pas aujourd'hui. Ça doit être frustrant, hein, en tant que pilote, évidemment, quand on fait. Surtout quand vous avez fait le job. Hein. Ouais, quand on fait le boulot. Et le contact entre les voitures 1 et 2 sera placé sous enquête après la course. Ça ne changera pas grand-chose. Hein. De toute façon, les deux voitures ont été contraintes à l'abandon. Les pilotes vont tous les deux prendre. Quand c'est dans la même équipe, vont chacun devoir assumer leurs responsabilités. On va discuter longuement dans le clan WRT.
Et pendant ce temps-là, ceux qui vont réaliser la meilleure opération, eh bien, ce sont eux, Marco Mappelli. Troisième place, ils vont accentuer leur avance par rapport avec Andrea Caldarelli, bien sûr, ils vont accentuer leur avance par rapport à Lucas Stolz et Maro Engel. Et puis à la cinquième place d'Aurélien Panis et Jack Oxford, c'est fantastique hein, pour la Lexus, vraiment ça fait chaud au cœur. Alors là on a la lutte avec la 62 d'Arovegno qui est troisième pour l'instant dans la Super Cup. Le pilote finlandais qui essaie de résister ici à Kelvin Van der Linde. Et puis juste derrière on a également la 55 hein, avec Stijn Schouten et Nick Fauter. La lutte entre les deux Atepto et Arovegno qui fait son retour à la compétition de manière un peu plus intense. Le pilote finlandais qui avait gagné une catégorie du championnat italien de GT l'an dernier, mais celle qui accueille les Lamborghini Super Trofeo et dont le niveau, il faut le dire, est assez peu élevé. Arovegno qui est un ex-espoir de la monoplace, hein, ancien champion d'Europe de karting, ancien vice-champion du monde aussi. On lui prédisait le plus grand avenir aux Finlandais et puis en monoplace, ça a calé quelque peu. Là, il essaie de relancer sa carrière, mais il a eu des hauts et des bas à Rovigno cette année. Des hauts comme les victoires en Silver Cup et les top 10 au général d'ailleurs à Zandvoort. Et puis des moments où c'est un peu plus compliqué. On va ici se battre pour la 12e position. Et on a vu l'arrêt de l'Audi Phoenix aussi, hein, celle de Frédéric Verwisch et de Finlay Hutchison, une voiture qui est rentrée également dans son box et qui va probablement devoir abandonner. En Pro-Am, Laurent, on n'a pas beaucoup parlé de la catégorie Pro-Am, mais ça a changé avec Louis McHills et on pourrait avoir une victoire Ferrari avec Louis McHills et Andrea Bertolini en tête de la catégorie Pro-Am devant la Lamborghini de Hiroshi Yamaguchi et de Phil Kim. Et puis en troisième position, Mauro Ricci et Jim Black qui devancent Rinat Salikov et David Perel. Oh, la touche est en train de l'Atepto. Du côté de l'Atepto Racing, là. Deux Audi qui se percutent, ça vous dit quelque chose, non? Deux Audi du même team, d'ailleurs. Donc, je viens de dire. Oh là là, la lutte, là, avec Kelvin Van der Linde et Stijn Schouten. Stijn Schouten qui avait été un des acteurs, on s'en souvient, l'an dernier, de cette finale, puisque l'an dernier, c'était la finale du championnat sprint. Il avait été un des acteurs en défendant sa position, ce qui lui avait permis, c'était la quatrième position à l'époque, ça lui avait permis de défendre la troisième place du championnat et une place sur le podium, quand il s'était défendu face aux assauts d'Alex Riberas. Finalement, c'est Raffaele Marcello qui avait été déclaré champion, évidemment. On s'en souvient. Ah, le Nürburgring, au cours des dernières années, nous a souvent réservé des surprises. Et la surprise du jour, ce sera donc une victoire à Aston Martin. Avouons quand même qu'après les essais, Laurent, on n'aurait pas misé 1 euro là-dessus au jeu des pronostics. 1 euro Vous auriez mis 1 euro sur une victoire à Aston? Les Aston qui étaient vraiment en retrait. Alors, de toute façon, vous, je ne peux plus de pronostics avec vous, vous trichez. De toute façon, on fait toujours plusieurs. Donc, j'optimise. Non, mais sincèrement, les essais libres. Non, c'était compliqué. On n'avait pas vu trop les Aston vraiment. Maintenant, en qualif, cette Aston Martin numéro 76 est quand même bien comportée. Hein, donc, on pouvait de toute façon attendre un bon résultat. Et évidemment, le bon résultat, il est venu de lui-même. Hein. Ouais, on était quand même en place de signer un podium à la régulière. Oui, au moins un podium. Hein. Là, c'est sûr que les deux Audi. Et puis Ricky Collard, c'est lui qui provoque l'erreur de Charles Leclerc. Hein. Clairement, c'est lui qui, en étant revenu et en mettant la pression, a provoqué cette erreur pour Charles Leclerc et l'Audi numéro 2. Eh bien, je me réjouis d'entendre les réactions, s'il y en a, dans le clan WRT tout de même. Par contre, les quatre premiers ont fait le trou, hein, puisqu'Aurélien Panis, qui est cinquième, est à 18 secondes de la tête. À l'image, la lutte pour la deuxième position entre Simon Gachet, Marco Mappelli et Lucas Stolz. Simon Gachet et Christophe Oraz, c'est en train de devenir l'un des duos étalons hein, de ce championnat. Alors, ils ont gagné une première fois à Zandvoort. Rappelons quand même qu'ils avaient déjà terminé sur le podium troisième à Misano, troisième hier, deuxième aujourd'hui. Une victoire, ça ferait 4 podiums en 8 courses, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout pour l'équipe Saint-Éloc. Qui a bien progressé aussi dans le championnat sprint, hein, cette équipe Saint-Éloc, à qui on avait l'impression parfois qu'il manquait 2 ou 3 dixièmes en performance pure par rapport à WRT ou à Atepto l'an dernier. Et cette année, ça n'a pas tellement été le cas, au contraire. Surtout qu'on a connu un début de saison compliqué en sprint, hein, du côté de Saint-Éloc Racing, notamment à Brandzach, avec plusieurs sorties, plusieurs accrochages. Stéphane Ortelli, si je me souviens bien. Stéphane Ortelli, on avait aussi, je crois que c'était Steven Palette. La voiture de Marcus, non, c'était Marcus Winkelhock, je crois, qui était sorti aussi. Il y avait eu Marcus Winkelhock qui avait eu 2 touchettes à Misano, dont une avec Thomas Neubauer.
Donc effectivement, ça n'a pas été simple pour tout le monde. Mais finalement, cet équipage, Christophe Noras et Simon Gachet, deux pilotes, on le disait tout à l'heure, plutôt discrets, mais des travailleurs. Ils font pas beaucoup de bruit dans le paddock, ceux-là. Mais par contre, petit à petit, ils sont en train de réaliser des miracles dans ce championnat. Et Simon Gachet, on peut se mettre à rêver peut-être, Laurent, pour Simon Gachet, d'une place de pilote officielle un jour. Hein. Et finalement, quand on voit ce qu'il fait par rapport à un garçon comme Mathias Grouli cette année, on dit qu'il la mériterait tout à fait. Hein, Simon Gachet, oui, sans aucun doute. Cette sans place aucun de pilote doute. Audi Sport Customer Racing, vraiment... Il faut espérer d'ailleurs que Audi lui fasse confiance l'année prochaine. Hein. C'était un peu le but de toute façon hein, de faire rouler Simon Gachet avec Christophe Noras hein, pour qu'il continue à prendre de l'expérience. Et on espère que Audi va enfin le signer. Ce qui serait une juste récompense. Pour un pilote qui avait débuté en monoplace, Simon Gachet, un ex-rugbyman. C'est fou hein, quand on le voit. C'est vrai qu'il a débuté assez tard hein, en sport automobile, hein, Simon, à l'âge de 18 ans. Ouais. Exact, et qui habite dans l'Isère. Il avait déjà, il était déjà monté trois fois sur le podium l'an dernier avec Christophe Noras dans le championnat sprint pour sa première année complète en Blancpain GT Series. Et bien sa deuxième saison est celle de la confirmation, clairement. Une première victoire, on l'a dit à Zandvoort. Trois podiums en plus, la saison n'est pas finie. Hein. Il reste encore Budapest. Regardez Dorian Boccolacci que l'on voit ici à l'image, avec ce pilote FIA Formule 2 qui fait ses débuts et qui peut rêver lui aussi, hein, pourquoi pas un jour, de devenir l'un des pilotes officiels d'une marque en GT3. Ça risque probablement d'être l'un de ses objectifs aussi à Dorian Boccolacci, associé à Stéphane Ortelli. Ils sont en 11e pour l'instant, Stéphane Ortelli qui vient de réaliser le meilleur chrono de sa voiture d'ailleurs en 1.57.2 et qui est dans les temps des leaders. 2 minutes 33 avant le drapeau d'Amiens. Pas de grosse surprise, plus de grosse surprise, j'ai envie de dire, à mon avis, avant le drapeau d'Amiens. Ne parlons pas trop vite, hein. On pensait déjà assister à un doublé relax des Audi WRT. Finalement, on a vu qu'il n'en a rien été. Et Ricky Collard. Ce sera sa première victoire à lui aussi, hein, dans cette Blancpain GT Series, à Ricky Collard. Fils de Bob Collard, ex-pilote professionnel en BTCC. Ricky Collard qui a 23 ans, hein, ça reste un jeune pilote. Et qui avait eu la particularité lui aussi de se battre, notamment face à Antoine Hubert, d'ailleurs dans le championnat du monde karting des moins de 18 ans à l'époque, où il s'était distingué à plusieurs reprises. Depuis, il est passé notamment par la Formule 3 britannique, ancien pilote junior BMW et désormais intégré à cette équipe Air Motorsport. La lutte avec Air Motorsport aussi, ça continue de chauffer, hein. Oui. Et les trois Audi à Tempto, à Tempto, hein. Ouais. Les trois Audi sont là avec Kelvin van der Linde. Alors sur la 55, c'est Stijn Schotors et sur la 56, Mathias Drudi. Et entre eux, on a Arovegno et on a qui également ? On a Taylor Proto sur la numéro 555 et la Lamborghini là. Le pilote britannico-américain. À Tempto, on a parfois aussi manqué de régularité justement, hein, Laurent, comme on le disait, cette régularité ô combien importante. Mais là aussi, hein, quelques... Oh, ouais, attention. Cette voiture qui avait gagné hier la catégorie Pro-Am, Rinat Salikov et David Perel, eh bien, ils avaient déjà eu un accrochage au premier tour. Bon, ça ne changera rien pour eux puisqu'ils étaient quatrième en Pro-Am. On va changer la roue, ils vont repartir. Et ils seront classés malgré tout. Mais cette deuxième course aura été nettement plus compliquée pour eux. Et on va avoir une première victoire Ferrari en tout cas ce week-end. Celle de Louis McHills en Pro-Am, celle de Louis McHills et d'Andrea Bertolini. Dernier tour pour Ricky Collard et Marvin Kirchhofer, l'Allemand, qui va gagner à domicile. Il l'avait dit, vous l'avez entendu probablement dans les interviews qui avaient été réalisées vendredi avant les premiers essais. Marvin Kirchhofer avait dit « L'équipe mérite un podium, on va tout faire pour lui en offrir un. » Et bien, ils auront fait mieux que cela. Si tout va bien, dans moins de 5 km maintenant, ce sera une première victoire pour l'Aston Martin Vantage.
Et est-ce que ce ne sera pas la toute première victoire de l'Aston Martin Vantage GT3 en blanc pain? Si, hein, on est bien d'accord, évidemment. En sprint, c'est sûr. En endurance aussi. Et est-ce qu'elle a déjà gagné quelque part, cette Aston Martin Vantage GT3, Laurent? Je me tourne vers vous. En British GT? En British, oui, exact. Effectivement. Tout à fait. Elle a gagné plusieurs courses, donc ça c'est sûr, ce ne sera pas la première victoire de la voiture, mais au niveau international et dans une compétition internationale qui est probablement la plus relevée d'ailleurs, la Blancpain GT Series, ce sera un premier succès lors de cet avant-dernier rendez-vous du Blancpain GT World Challenge Europe. Ricky Collard, Marvin Kirchhofer, deuxième place pour Simon Gachet avec Christopher Haas, troisième Marco Mappelli et Andrea Caldarelli qui auront été finalement les grands gagnants de ce week-end, hein, en marquant une fois encore des points. Alors eux, c'est bien simple. À part la toute première course du championnat à Brands Hatch, ils ont marqué des points à chaque reprise. Donc deux victoires. Ils sont hyper réguliers. On a deux pilotes du tout premier plan. Voilà ce qu'il faut désormais pour gagner dans cette Blancpain GT Series. Il n'y a décidément pas de secret. Les pilotes restent l'une des pièces maîtresses, et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Reste l'une des pièces maîtresses dans le sport automobile, dans cette Blancpain GT Series. Et deux très bons pilotes, Marvin Kirchhofer et Ricky Collard, offrent aujourd'hui à Air Motorsport et à l'Aston Martin Vantage sa première victoire en Blancpain GT World Challenge Europe. Air Motorsport avait gagné l'an dernier à Silverstone avec l'ancienne Vantage. Et puis on va voir en deuxième position, de nouveau le podium, on l'a dit, pour Simon Gachet et pour Christopher Haas. C'est donc le quatrième podium depuis le début de cette année. Marco Mappelli et Andrea Caldarelli de nouveau sur le podium également. Bah, en ce qui les concerne, ce sera carrément le sixième podium en 8 courses. De quoi accentuer leur avance au championnat. Et puis du Castle, c'est Maringel qui retrouve la quatrième position avec la Mercedes. Et excellente performance de l'équipe Tech 1, l'équipe française d'Aurélien Panis et de Jack Hawksworth, les pilotes de la Lexus qui terminent cinquième. Ça non plus, on n'avait pas vu venir, hein, cette cinquième place de la Lexus. Non, c'est vraiment une belle prestation pour le deuxième meeting Blancpain GT World Challenge Europe, hein, pour cette équipe Tech 1 Racing. Et la lutte jusqu'au bout dans la catégorie programme. Laurent avec Louis McHills qui résiste à son rival japonais Hiroshi Yamaguchi. Ce qui nous fera une troisième place pour la Mercedes de Mauro Ricci et de Jim Pla en programme. Mauro Ricci qui devrait arriver d'ici quelques instants. Regardez la joie de Marvin Kirchhofer. Bien joué pour cette équipe Air Motorsport. On a Arden et Jota. Oui, on a Arden et Jota qui sont là, la partie bien technique, évidemment. La partie technique, hein, de ce team Air Motorsport en GT3. Team de Sam Hignett. Mais j'ai une pensée émue parce que Arden, c'est aussi l'équipe qui a engagé Antoine Hubert en Formule 2. Laurent, comme quoi le destin parfois est assez particulier. Alors bien sûr c'est Air Motorsport, mais on sait effectivement qu'il y a Arden et qu'il y a Jota. Et quel plus bel hommage finalement que de rendre à Antoine Hubert que cette première victoire ici de l'équipe. Eh bien quel week-end riche en émotions dans tous les sens. C'est ce qu'on aime évidemment dans le sport automobile. Alors il y a certaines émotions qu'on préférerait ne pas connaître évidemment. Mais que d'émotions encore une fois ici sur le Nürburgring. Et Marvin Kirchhofer, le pilote allemand qui gagne à domicile ici. Ancien champion de la DAC Formule Masters, hein, l'ancêtre de la DAC Formule 4. Ancien champion d'Allemagne de Formule 3 également, Marvin Kirchhofer, troisième des GP3 Series en 2015, ancien pilote de GP2 et désormais un pilote bien établi dans le monde du GT. Marvin Kirchhofer qui roule en Allemagne avec l'équipe Callaway Competition sur une Corvette, qui roule dans la Blancpain GT Series Sprint et Endurance avec cette équipe Motorsport, cette équipe suisse et cette Aston Martin Vantage. Et un succès ici, le premier en Blancpain GT Series pour Marvin Kirchhofer et pour Ricky Collard. Et la joie dans le clan Saint-Éloque également. Bravo messieurs. C'est un podium de plus, hein, pour Saint-Éloque, hein, pour Simon Gachet et Christopher Haas. Le quatrième en 8 courses, ça fait 50% de podium. C'est pas mal, hein, dans une victoire. Effectivement. Et c'est encore une fois la meilleure Audi classée à l'arrivée. Oui.
Racing for Antoine, évidemment. Voilà la mention Racing for Antoine montrée par Marvin Kerschhofer. On vous l'a dit, peut-être encore plus dans le clan Air Motorsport avec Arsène et la joie de Ricky Collard. Il est un peu showman, Ricky Collard. Ah, attention, toi de l'Aston Martin. Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Il passera en carrosserie, on s'en fout. Laurent, on s'en fout. Il y a un meeting le week-end prochain quand même. Mais c'est pas grave, le toit, ça ira. Et regardez, voilà, Ricky Collard aussi. Wow. Allez, grosse pensée pour Antoine Hubert aujourd'hui, vraiment, dans le clan Ardennes. Les émotions, on vit tous pour ce sport et on sait tous évidemment que ça en fait partie. Je vous l'ai dit, hein, Ricky Collard avait été un des amis et rival aussi d'Antoine Hubert en karting à l'époque. Ils se sont affrontés, ces deux-là, à plusieurs reprises sur les pistes. On a vu Hugo de Sadeler qui est là aussi. Et voilà Simon Gdershet qui était un peu déçu de son début de course hier, mais qui a fait une fin de course absolument remarquable aujourd'hui. Voilà, et on va aller retrouver les vainqueurs à l'interview, Laurent, avec John Watson. Marvin, incroyable cette victoire. Ça a été un week-end très difficile pour Arden aujourd'hui. Oui, c'est pas seulement ça. Vous savez, tout le monde sait que ça a été une journée très triste pour le monde du sport automobile. Et vraiment, nos cœurs sont là. On est heureux de remporter cette victoire pour Antoine. C'est un membre de l'équipe aussi. Cette victoire est pour lui, évidemment. On lui dédie cette victoire. Et puis à toutes les équipes aussi qui ont poussé tellement. On a été tellement proches, tellement de fois. Et puis finalement, on monte enfin sur la marche du podium. Je suis très heureux. Il y a eu un bon départ. Vous êtes arrivé dans le groupe de tête. Et puis un fantastique pit stop qui vous a mis en tête. Ouais, l'équipe a vraiment fait un très bon effort. On est arrivé ici en tant que débutant dans le championnat. On doit apprendre beaucoup de choses. L'équipe continue de se développer. Et maintenant, on est devant. On a fait un très bon travail. Et puis, fantastique dépassement de Ricky Collard qui nous a mis en tête. Et on gagne. Ricky, tout d'abord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots. Vous savez, c'est ma première année avec Aston Martin, avec l'équipe. Je ne pensais pas qu'on serait sur le podium. J'espérais un podium. Mais j'avais vraiment le goût de la victoire, l'odeur de la victoire. Et quand on est si proche, il faut y aller. Avant le départ, vous n'avez pas montré tellement de confiance. Je pense que personne n'attendait ça ici. Ce que les gars ont fait dans les coulisses, si vous regardez depuis le début de la saison, nos pitstops n'étaient pas bons au début de la saison. Alors c'est sûr qu'on a fait un bon travail aujourd'hui, mais c'est surtout ce sont ces gars-là qui ont fait un fantastique travail, qui m'ont donné l'opportunité, une fantastique voiture. Et puis comme Marvin l'a dit, on fait partie de la famille Motorsport. J'ai roulé contre Antoine Hubert, on a souvent croisé le fer tous les deux, et merci à lui. Just one final question. How much did you laugh when you saw the one and two Audi get together? Dites-nous comment vous avez rigolé quand vous avez vu les deux Audi se toucher. Bon, je n'ai pas rigolé, non, je rigole pas. Bon, un peu quand même, j'ai peut-être eu un petit sourire. Je suis très, je me sens désolé pour les gars de WRT. Je suis bon ami avec certains d'eux. On ne veut jamais gagner une bataille comme celle-là. On aurait pu avoir une bataille fantastique. Mais bon, on était là au bon endroit, au bon moment aussi. On a mis la pression. Et c'est eux qui ont craqué. Ouais, très beau succès dans des circonstances difficiles, dit John Watson. Beaucoup d'émotions à Laurent, évidemment, dans le clan Ardennes. Ces émotions du sport auto, on vous le disait. Ça aurait été la leçon de ce week-end. Allez, retrouvons John Watson et Aaron Vigneault qui vient les féliciter. Si on va retrouver John Watson avec les deuxièmes. Simon, that was quite hard at the end. You're under pressure pretty much all your stints. Il y avait beaucoup de pression durant tout le relais. I did, I think, a good stint. Je pense que j'ai eu un bon relais. Chris did as well. Mais Christopher aussi. C'était plus facile pour moi à la fin. I was P2. J'étais deuxième. WRT crash. Les deux WRT sont accrochés. On est deuxième de nouveau. C'est un bon résultat pour l'équipe, pour nous, pour le championnat aussi. On marque des points. Merci Saint-Éloque. Christopher, premier Audi. Est-ce que ça vous rend plus heureux ou pas? Oui, pour être honnête, je suis assez heureux. On part deuxième, on termine deuxième, c'est pas mal. Mon départ n'était pas idéal, je dois dire. J'ai perdu deux places, je suis tombé quatrième, mais on a eu un très bon pit stop. Et puis, on a fait du bon travail aussi à la fin. Je pense que deuxième, c'était le mieux qu'on pouvait faire aujourd'hui. Félicitations aux vainqueurs. Et ce soir, on va avoir un bon repas tous les deux ensemble.
c'est pas ce qu'ils font le soir, hein, Christophe Arras et Simon Gachet, mais ils pourront fêter cela. Et puis rendez-vous, on va refaire les calculs au championnat, mais il sera difficile d'aller jouer le titre, mais mathématiquement ils seront encore en lice. Allez, on va voir la troisième place. Andrea, une fois encore, il y a eu une bataille avec une mauvaise position au départ. Oui, on est parti septième. C'était assez difficile. Mais à la fin, c'est un beau podium. De très bons points pour le championnat. C'était vraiment une course très difficile. C'est très difficile de dépasser ici. Mais à la fin, je pense qu'on a fait bon travail aussi sur cette course. Qu'est-ce qui était différent hier? Je pense que la température de l'air est très différente, évidemment. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment eu de problème. Mais quand on suit derrière, il est très difficile de trouver le bon endroit pour doubler. On savait qu'on ne devait pas prendre le moindre risque, évidemment, pour le championnat. Troisième, c'est exactement ce qu'on attendait. Marco, vous aviez Lucas Stoll derrière vous. Yeah, t'es jamais proche, est-ce que vous avez fermé les portes à la fin? Non. Non, il a essayé un essai entre les virages 3 et 4, mais non, j'étais juste attentif de ne pas commettre erreur. On a eu deux courses très propres. Hier c'était bien, aujourd'hui on a eu un podium un peu chanceux avec les deux voitures de devant qui se sont touchées, mais on prend les points et puis on regarde la suite. Voilà, ça fait des points importants avant d'aller à Barcelone. Ah non, Budapest, disait John Watson. Voilà, allez, le classement de cette course, Laurent, et cette victoire surprise, Aston Martin, Ricky Gollard, Marvin Kirchhofer. Oui, deuxième place pour Simon Gachet et Christophe Haas sur l'Audi Saint-Éloi Racing. Marco Mappelli, Andrea Caldarelli, troisième. Et la quatrième place pour Lucas Stolz et Maro Engel sur la Mercedes du team Black Falcon. Ces deux duos qui restent en lice pour le championnat. Aurélien Panis, Jack Oxford, fantastique, cinquième place pour Tech 1 et la Lexus. Eric Brocker, Oscar Tounero, sixième sur l'Audi WRT qui remporte la mise en Silver Cup. Ouais, et puis derrière, on avait les Audi Saint-Éloi de Steven Pallett et de Marcos Winkelhock, la Lamborghini Grasseur de Bortolotti Engelhardt, l'Audi de Kim Lüchram et Jimmy Green, remontée fantastique, remontée à 9e, 10e place et 2e en Silver, Fabian Schiller et Timur Bogulaski, 3e en Silver, Hugo de Sadeler et Arovagno sont 14e du général en catégorie Pro-Am, Laurent, victoire de la Ferrari. La Ferrari donc de Louis McHills et d'Andrea Bertolini, donc la voiture d'AF Corse qui a devancé la Lamborghini du team FFF de Phil Keane de Hiroshi Yamaguchi. Et on revoit les meilleurs moments de cette course, la course 2 du Blancpain GT World Challenge Europe sur le circuit du Nürburgring, avec Dries Van Thor en pole position devant Christopher Haas, mais c'est Christopher Mies qui s'empare de la deuxième position. Derrière, on a vu Maro Engel qui s'est glissé troisième, une touchette en début de course, elle causera la perte notamment de Raffaele Marcello, mais aussi de David Perel, qui va perdre beaucoup de temps. Dans le clan Orange One, Vito Antonio Liuzzi analyse le retour de la voiture d'ailleurs d'Andrea Caldarelli. Marco Mappelli repart, cette voiture qui à ce moment est cinquième. On perd du temps dans le clan Black Falcon lors du pit stop, ce qui va permettre à Marco Mappelli de repartir devant. Les deux candidats au titre ont donc inversé leur position par rapport à avant l'arrêt. Dries Van Thor qui rentre, Ezequiel Pérez Campagne prend le relais sur l'Audi numéro 1 du Belgian Audi Club Team WRT, et quand il repart, il a une avance gigantesque sur Charles Wirtz, mais on va le voir, le Belge va revenir dans quelques instants. Des bagarres à tous les niveaux, notamment dans la catégorie programme. Charles Wirtz est revenu sur Ezequiel Pérez Campagne très nettement. Ricky Collard, lui, est revenu sur Charles Wirtz. Il tente une attaque au bout de la ligne droite, il met le Belge sous pression, qui plonge à l'intérieur et qui vient toucher un Ezequiel Pérez Campagne qui n'a pas vraiment laissé la porte ouverte non plus dans le clan Air Motor Sport. On peut se réjouir évidemment. Dans le clan WRT par contre, c'est la débandade. Thierry Tassin n'est pas très très heureux. On ne parlera même pas de l'état d'esprit de Dries Van Thor ce soir, qui doit être terriblement déçu. Victoire donc en vue pour l'Aston Martin Vantage. Ricky Collard, Marvin Kirchhofer s'impose devant Simon Gachet et Christopher Haas, de nouveau sur le podium. Marco Mappelli et Andrea Caldarelli terminent 3e et confortent leur avance au championnat face à Lucas Stolz et Maro Engel, toujours 2e du championnat mais 4e de cette course, et qui vont donc perdre ici quelques points supplémentaires, 2 points supplémentaires. Il y aura donc 8 points d'écart au moment d'aborder la finale de Budapest la semaine prochaine. 8 points, Laurent, c'est rien du tout, évidemment, avant rendez-vous comme Budapest. Hein. Oui, exactement. Donc on aura un beau meeting en Hongrie dans une semaine, il faudra être avec nous à coup sûr.
Ouais, soyez bel et bien là, effectivement, la semaine prochaine. Budapest nous promet encore bien, bien du spectacle. On en est convaincu sur le Hungaroring, voilà, un circuit où les Christophe Rass, c'est le selfie du week-end. Et on va voir dans quelques instants le podium et la première victoire en Blancpain GT Series de Marvin Kachhofer et de Ricky Collard. On aura aussi le podium des mécanos, hein, je pense, le Pit Stop Challenge, mais on n'aura malheureusement pas l'occasion de vraiment vous les présenter, ces podiums. Eh bien, on va donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement. Ce sera en Hongrie, ce circuit de Budapest. Laurent, on peut compter sur vous? Oui. Vous serez problème, là? Je serai là. Promis, hein? Et vous aussi. Ne nous faites pas faux bon, hein? On sera là également, évidemment. Un grand rendez-vous sous le soleil, on l'espère, de Budapest. Quelques images du podium avant de se quitter. Marco Mappelli, Andrea Caldarelli, on l'a dit, troisième. Le duo italien qui réalise la toute bonne affaire au championnat. Simon Gachet et Christophe Rass. Deuxième position, encore un podium, bravo à l'équipe Saint-Éloque aussi, l'équipe française, et puis bravo à l'équipe Air Motorsport. On sait que derrière on a notamment Arden qui est là, et Ricky Collard et Marvin Kachhofer, vous l'avez entendu, dédie cette victoire à Antoine Hubert. Pensée très émue pour le jeune pilote français aujourd'hui. Merci vraiment de nous avoir suivis. On écoute l'hymne national suisse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le Hungaroring dans la banlieue de Budapest. Merci Laurent Mercier. Merci à vous. Voilà, et vous êtes toujours avec nous. On m'a indiqué qu'on arrêtait pour la télévision, mais apparemment on reste sur le streaming, Laurent, finalement. Voilà. Donc vous restez là. J'étais parti, moi, déjà. Si vous étiez, oui, j'ai bien vu. On allait vous chercher au fond du couloir. On n'exagérait pas quand même. Non, ah bon, d'accord. N'exagérait pas. Je croyais. Non, effectivement, dès lors. Avec la remise des différents trophées, Diane Clem, qui est la marketing et sales coordinator de Blancpain. La remise d'échecs par Stéphane Rattel aux équipes qui disputent l'ensemble du championnat, c'est-à-dire les championnats sprint, le Blancpain GT World Challenge Europe et le championnat endurance. 12 500, 10 000 et 7 500, pas mal hein, quand même évidemment. Les prix remis ici. 30 000 euros au total en prize money dans le cadre de cette Blancpain GT Series. Et puis le champagne pour Ricky Collard qui aura quand même fait passer le champagne, mais vous l'avez vu, on garde beaucoup de réserves et on sait pourquoi évidemment aujourd'hui. Ce sport automobile que l'on aime tant, on le sait, peut parfois tout simplement être cruel. On va voir le podium également de l'e-sport series. Et on avait on sait que l'e-sport a été particulièrement mis à l'honneur ici, notamment avec la DAC Sim Racing Expo aussi, la simulation automobile hein, qui avait son fameux... sa fameux salon ici. Voilà, 8 points d'écart, 79 pour Marco Mappelli et Andrea Caldarelli, 71 pour Lucas Stolz et Maro Engel qui restent en lice pour le titre. Ça va être plus compliqué pour les autres hein. Mirko Bortoletti et Christian Engelhardt qui sont 3e, et puis on a vu les autres derrière le podium maintenant de la Silver Cup avec l'équipe Air Motorsport de nouveau hein, Arobenio Hugo de Sadeler 3e, 2e place pour l'équipe AKSP avec Fabien Schiller et Timur Boguglaski, et puis les vainqueurs, petite consolation, maigre consolation pour le Belgian Rally Club Team WRT, Rick Brucker et Oscar Toumereau remportent la Silver Cup. Cette fois, c'est donc la Brabanson, hymne national belge, en l'honneur du Belgian Rally Club Team WRT, même si on n'aura pas trop l'envie de faire la fête, à mon avis, chez WRT ce soir. Voilà, et cette fois, on va se quitter pour du vrai. Merci Laurent. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes toujours là? Ouais, toujours. On comptera sur vous. Bye Merci. Bye bye.